bronze medal, Nicola Rio, Frédéric Tronchon and Luca Basset. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous retrouver sur ce direct sur 8 Mont Blanc pour la retransmission des championnats du monde de course en natation. Nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième journée et toujours avec Mathieu Puech. Mathieu, comment ça va depuis hier? Ah bah ça va parfait, on a vécu une super première journée, on espère que la deuxième va nous procurer au moins autant d'émotions et des belles courses aussi. Eh ben, ça c'est sûr qu'on va avoir des belles courses, des émotions, on l'espère en tout cas, et puis on va pouvoir parler aussi de notre équipe de France avec quelques petites infos. Mathieu, justement, si on fait un rapide retour, on était cet après-midi, on a pu avoir Charlie Boischu, hein, l'entraîneur de l'équipe de France. On a pu échanger un petit peu, qu'est-ce qui l'a fait ressortir, qu'est-ce qu'il t'a expliqué, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Ouais, alors globalement, Charlie est content de l'équipe parce que la performance moyenne, globale de l'équipe, elle est bonne. Notamment, il a mis en avant le résultat des filles, hein, qui là, on a fait un vrai beau résultat d'ensemble. On a donc les performances de Cécile, hein, avec sa 13e place, qui est quand même la deuxième meilleure performance d'une Française sur un sprint de championnat du monde. Donc là vraiment, Charlie est satisfait de ça. Et aussi, plus globalement, des autres filles qui s'en sont vraiment bien sorties. Florence, top 20. Elle a une préparation perturbée aussi par un problème de genou. Donc voilà, un top 20, vraiment, on aurait signé pour avant la course. Donc vraiment bien. Après, chez les garçons, il nous manque un peu la performance de pointe, où chez certaines années, les garçons étaient capables d'aller chercher des médailles ou des top 10. Et là, ils sont un petit peu en retrait. Donc... là, il y a un petit bémol donc sur la performance globale. Mais voilà, ensuite, pour rentrer plus dans le détail, le bémol, il vient notamment de la course de Frédéric Tronchon. Et l'info qu'on n'avait pas hier en commentant, c'est qu'en fait, Frédéric est tombé au début de la course, assez tôt dans la course. Il a chuté sur l'asphalte et donc il s'est blessé au genou. Donc il a eu un peu du mal à se remettre dans la course. La nouvelle qui découle de ça, c'est que il n'est pas encore complètement remis et donc pour aujourd'hui il ne pourra pas tenir sa place sur le relais sprint et donc il doit céder sa place à Maxime Roturier. Et effectivement, on va revenir un petit peu dans quelques minutes là-dessus sur cette petite déception, mais en tout cas déception pour Frédéric Tronchon. On a Maxime évidemment qui va tout donner. On l'a eu tout à l'heure au téléphone et on sait qu'il est plus que chaud comme on dit. Écoute, en tout cas ton analyse elle est super intéressante sur ce sprint qu'on a pu vivre hier. On va essayer de pouvoir faire vivre. Ouais, je rajouterai juste pour Cécile, parce que Cécile, elle nous a fait une super performance. Alors on savait pas trop à quoi s'entendre, hein. C'est son grand saut, c'est son premier walk, son grand saut dans le bain des élites. Et elle est arrivée avec sa fraîcheur, elle a fait une super course, mais elle n'a pas surperformé, elle a fait une course à son niveau, et son niveau l'amène à la 13e place mondiale, donc ça c'est vraiment une vraie satisfaction. Ouais. Non, effectivement, Cécile, qui est encore junior, on le rappelle, et qui nous sort une super performance, la deuxième meilleure performance de tous les temps chez les Françaises. Alors, on va pouvoir aller en République tchèque un petit peu avant le direct de l'IOF, puisque nous sommes avec Quentin Roturier. Quentin, je pense qu'il nous entend et ça va pouvoir se mettre un petit peu dans l'ambiance. Quentin, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Ouais. Merci de nous prendre quelques minutes avec nous. Toi, tu fais la meilleure perf finalement hier chez les hommes, hein, 30e place. Si on fait un rapide retour, comment tu débriefes comme ça à chaud ta course d'hier? Alors ma course hier, elle s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Forcément, il y a toujours des choses à améliorer, un petit regret notamment sur le choix 12-13 que vous avez dû bien analyser.
qui n'était pas évident, où je lâche 15 secondes, ce qui m'aurait amené sur une place un peu plus satisfaisante. Mais dans l'ensemble, quand même content. Je pense que je fais une course à mon niveau, une course régulière, et c'est à ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire sur les grands championnats. Donc je suis satisfait. Ouais. Ouais, en plus pour toi, bah voilà, un premier championnat du monde, donc t'avais tout à découvrir sur ce genre de compétition, donc on est vraiment hyper hyper heureux de ta performance, d'avoir pu te suivre. Aujourd'hui, voilà, tu fais notre reporter sur place. C'est ton frère Maxime qui prend cette place, qui joue le remplaçant de luxe de Frédéric Tranchant. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est l'ambiance sur place au niveau voilà, des conditions là, du relais sprint qui nous attend? Bon, alors, au niveau du remplacement de Maxime, toute l'équipe est à fond derrière lui. On n'a pas de doute qu'il est capable de faire une super course. Comme tu l'as dit, c'est un remplacement de luxe. Donc ouais, ça c'est chouette. Après, l'ambiance, ouais, il fait assez chaud. Il fait assez chaud cet après-midi en République tchèque. Là, il a fait soleil toute la journée, donc ça va certainement impacter un peu les coureurs. Et puis, je pense que tout le monde tous les coureurs, en tout cas, de l'équipe de France, sont très très hâte de s'attaquer à ce circuit dans la vidéo d'Oxy. Ouais, on l'imagine. Alors, quel est l'état des troupes au niveau de l'équipe de France? Voilà, toi, évidemment, tu es avec eux. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme petite information avant de reprendre la main sur le direct, sur l'équipe de France? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est on a deux paires de jambes très fraîches, Isia Bassé et Lucas Bassé, qui n'ont pas couru hier. Donc ça, c'est forcément un avantage. On a Isia sur le premier relais qui est en pleine possession de ses moyens. Donc ça, je pense que ça peut jouer en sa faveur pour permettre de s'accrocher aux toutes meilleures. Et ensuite, Lucas, qui est aussi un des tout meilleurs, si ce n'est le tout meilleur français, qui a également pas couru hier, donc ça c'est sûr que ça va jouer en notre faveur. Et puis après on a Cécile qui fait une super course hier sur le dernier relais, donc ça je pense que c'est également quelque chose qui va jouer en notre faveur. Et après on peut faire confiance à Maxime pour tout donner dans les conditions en relais, en contact avec les adversaires. Il est assez incroyable là-dessus, donc je pense que tout le monde est en bonne forme pour ce relais mixte. Eh ben en tout cas, tu nous vends bien et on a franchement pas de doute, ça va être vraiment super, super à suivre. Merci Quentin de pouvoir faire cette interview avec nous en avant-course. On te garde avec nous, on se retrouve à la fin de la course. Je pense que tu pourras avoir quelques membres de l'équipe de France avec nous. Mathieu, on approche. Dans 2 minutes, on est en direct avec la République tchèque. Relais sprint aujourd'hui. Ouais, on peut peut-être parler des objectifs. Alors vas-y, quel est l'objectif, puisque Charlie t'en a parlé, t'as 20 secondes pour me le dire. Alors l'objectif, il est pas encore d'aller chercher une médaille. On n'est pas encore prêt pour ça. Par contre, l'objectif, c'est évidemment de faire le mieux possible. On sait qu'on a fait sixième au championnat d'Europe en mai, et l'idée, ce serait d'essayer de se rapprocher de cette place, qui serait déjà une vraie belle performance. Donc sixième, ce serait vraiment bien. Ensuite, autour de la 8e place, je pense que c'est à peu près le niveau qu'on peut viser si on fait une belle course. Et ensuite, bon, pour avoir un objectif à peu près raisonnable, ce serait d'être dans le top 10. Et ce serait déjà une belle performance parce que sur les derniers championnats du monde, on était un peu derrière ces places-là, avec des places de 13e, de 15e. Donc ce serait vraiment déjà une belle chose. Allez, c'est parti. Du coup, on lance une petite page de communication et on se retrouve en République tchèque. À tout de suite. Sont où Polo et Tyrona?
retrouvons donc République Tchèque à Doxy. Nous sommes exactement, c'est le centre de course, hein, Mathieu, de ces championnats du monde. Température de 25 degrés, Quentin nous l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, une belle journée. En tout cas, on voit voilà, c'est ensoleillé. Ça va être franchement intéressant. Tu nous disais donc, Mathieu, hein, l'objectif, voilà, top 8, peut-être même top 6, puisque nous avons l'équipe de France a fait 6e au dernier championnat d'Europe à Neuchâtel. Je pense que, voilà, explique-nous rapidement la particularité de ce sprint relais. Alors aujourd'hui, oui, c'est un relais sprint, donc ça cumule le format du sprint, donc comme on l'a vu hier. Avec un format de course donc rapide de 15 minutes en milieu urbain où les prises de décision doivent se faire vraiment très très vite et un relais, donc un relais de 4 relayeurs. Et la particularité aussi, c'est que ce relais est mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir deux filles et deux garçons. Donc le premier relais sera assuré par une fille, ensuite on va avoir deux garçons et ensuite à nouveau une fille. Nous sommes donc à Doxy, vous avez les images devant vous, hein, une ville tchèque où va se dérouler ce relais sprint. Mathieu, raconte-nous aussi, donc tu nous as parlé voilà, des grandes caractéristiques, il y a aussi cette histoire de combinaison, parce qu'il y a un départ en masse, tu l'as bien dit, les filles partent en masse, mais le but c'est pas de se suivre. Oui, alors en course d'orientation, quand on a des relais donc des courses en mass start, donc où tous les concurrents partent en même temps, on ne peut pas avoir un circuit unique parce que forcément les concurrents se suivraient et on perdrait l'intérêt de la course d'orientation. Donc en fait, on a des systèmes de combinaisons, on appelle ça des variations, c'est-à-dire qu'en fait, les coureurs ne savent pas à l'avance s'ils vont avoir le même poste à aller visiter que les coureurs autour d'eux. Et en fait, ces variations s'équilibrent sur l'ensemble du relais, c'est-à-dire que par exemple, si le poste 1 est varié, on va avoir la première fille de l'équipe, si elle prend la variation du poste de gauche par exemple, et ben la deuxième fille de l'équipe, elle aura la variation de droite, et vice versa pour les autres équipes, ce qui fait qu'à la fin, toutes les équipes auront visité toutes les variations. Et donc effectivement, hein, donc on peut voir, tu nous l'as précisé, hein, donc la départ en masse, ce sont donc les filles qui partent, 3 km 7, 54 mètres de dénivelé, et puis ensuite les relais 2 et 3, ce sont donc les relais hommes, 4 km 3, 62 mètres de dénivelé, et à nouveau donc le relais 4, qui est un relais filles, 3 km 7. On va avoir la présentation du terrain, on a de la carte, du parcours, on a pu la voir un petit peu, que tu as commencé à travailler, tu vas nous l'expliquer, ça va être quelque chose de spectaculaire, Mathieu. Ah, toujours, on espère, hein, c'est le but de cette discipline qui est une discipline qui a été vraiment ajoutée au programme pour ça. Donc là, on voit d'entrée de jeu, on a une ce qu'on appelle une variation donc sur les premiers petits postes dans le parc. Ensuite, la course se développe, les coureurs vont se regrouper, encore une nouvelle variation sur le poste 4-5. C'est des variations qui ne sont pas encore décisives. Par contre, là, sur le poste 6, on a une variation qui est plus technique, donc on verra avec... En rouge et en violet, hein. On voit bien effectivement la différence, voilà. 6, hein, vous voyez bien, entre 5 et 7, donc la 6 rouge un petit peu plus haut, la 6 violette juste en dessous. Et puis après, donc, on revient, il y a un passage sur l'aréna, hein, ce qu'on appelle un passage spectacle, au niveau de la 13. On aura le visuel avec les caméras, et donc là on a la course homme qui repart vers le nord, donc c'est l'extension qui fait que les hommes et les femmes vont avoir le même temps de course, mais avec les hommes un parcours un peu plus long, et ensuite le parcours homme redescend, récupérer le parcours que feront les dames. Et on a une dernière variation là au poste 20 qui est un peu une variation surprise où en fait les coureurs vont se croiser. Certains vont aller chercher le poste du haut puis celui du bas et vice versa. Donc ça va créer des flux de coureurs. C'est une variation qui est assez inhabituelle. Donc on va voir ce que ça peut donner. Et on va voir ça aussi notamment grâce à une animation. Eh bien oui, donc l'animation 3D hein, que la production nous propose, qui va nous permettre justement d'étayer un petit peu ces fameux choix d'itinéraire. Mathieu, tu as vraiment beaucoup travaillé dessus. Explique-nous tout ça. Non, pas suffisamment à ton goût, mais... Pas particulièrement mais beaucoup, mais en tout cas, oui, on a la chance de voir d'avoir les circuits légèrement en avance. Donc on a pu voir donc, là cette première variation donc sur le poste 1-2-2. Donc dans un parc. Voilà, attention aux erreurs d'entrée de jeu. Les coureurs vont se regrouper sur le poste 3, une petite variation poste 4 et 5. Et donc là, je vous disais, le premier vrai choix d'itinéraire qui peut faire des différences.
Parce que le risque, voilà, si vous allez sur le, si vous avez la variation bleue ou le meilleur choix, donc, est de suivre le choix bleu, il faut surtout pas partir et suivre les coureurs qui auront la variation en orange là, parce que ça va vous amener à faire plus de distance et donc forcément à perdre du temps. Et ça, sur cette variation, c'est pas si facile que ça de voir, d'être sûr de soi, parce que voilà, on a un choix complexe qui est rendu complexe aussi notamment par les barrières artificielles hein, dont on a déjà parlé hier. Et qui sont ajoutés au terrain pour complexifier le terrain et permettre des choix d'itinéraire. Donc là, les coureurs donc se regroupent à la 6. Et on a une nouvelle variation complexe sur voilà, la 8, c'est poste radio. Poste télé, effectivement, qu'on aura et Un qui va poste nous radio. permettre d'avoir les temps de passage intermédiaire, hein, en Voilà, fait. et là je m'étais un peu avancé. Voilà, la nouvelle variation, elle est là. Elle est là, elle est créée, celle-là, grâce aux barrières artificielles hein, qui sont notées sur la carte, donc avec un trait noir et des tiretés, donc un trait noir épais, ce qui veut dire infranchissable. Et là, voilà, on a un exemple de ce que le traceur est capable de faire pour rendre les choix intéressants. Ensuite, donc passage sur l'aréna. On repart, on nouveau donc changement de carte pour la deuxième partie de la course. Donc les hommes partent vers le nord. Donc ça on l'a bien vu tout à l'heure, avec une variation encore, enfin de nombreuses variations. Je pense que on a rarement eu un relais sprint avec autant de variations. Donc voilà, là faudra vraiment pour les coureurs être vigilants. Ils n'auront pas le droit de se laisser attirer par les coureurs devant. Il faudra vraiment coller à la carte et faire sa propre orientation. Sous peine, voilà, de se laisser attirer sur des choix plus longs et donc de perdre du temps au total du relais. Allez, nous avons donc fait le tour sur ce parcours. Ça va être physique, ça va être technique et effectivement les variations vont nous amener à peut-être des rebondissements. En tout cas, il faudra être vraiment pointu là-dessus. On passe maintenant à la présentation des équipes. À la présentation des équipes, donc nous avons le Dossard 13, hein, l'équipe de France a le Dossard 13. Mathieu, voilà, parle-nous un petit peu des différentes équipes, deux grosses équipes favorites qui se détachent finalement. Ouais, alors là, on s'attend à une grosse bagarre entre les Suédois et les Suisses. On a vu déjà hier, même si les Suisses chez les hommes étaient un petit peu en retrait, que c'est la première année, le premier walk où les Suisses ne font pas de médaille, on sait qu'ils ont vraiment une grosse équipe et probablement aujourd'hui ils auront vraiment à cœur de prendre leur revanche, d'autant qu'on retrouve un terrain de sprint un peu plus conventionnel, entre guillemets, donc moins atypique que ce qu'on avait hier dans la forteresse. Et on risque d'avoir une grosse bataille entre les Suédois et les Suisses. On avait les Suisses qui avaient sans doute un petit avantage sur le papier, mais avec la performance hier, notamment de Tove Alexandersson, on se demande si voilà, sa seule présence dans l'équipe ne suffit pas à rebattre un peu les cartes. Et du coup, là, ça va vraiment être intéressant à suivre. L'équipe 3, le Danemark, hein, qui est aussi intéressante, puisque hier on a vu quand même la belle performance de Maya Alm. Ça va nous. Ben, tu me disais hein, tout à l'heure, hein, quand il y a Maya Alm dans l'équipe, tout peut arriver. Donc voilà, l'équipe danoise, effectivement, qui va être à surveiller. On a actuellement Tove Alexandersson à l'écran. Juste avant, c'était Simona Abersold pour l'équipe suisse. Et puis, donc on est parti juste un petit peu avant avec l'équipe norvégienne et l'équipe tchèque. Parle-nous un petit peu de ces équipes qui sont très outsiders. Et puis la Finlande qui a fait cinquième sur les derniers championnats d'Europe. Ouais, alors très rapidement, si on a deux favoris qui se détachent très clairement, derrière la bagarre, ça va être terrible. On a Norvège, Danemark, République tchèque, les Anglais qui sont aussi pas mal. Un peu plus derrière, sans doute, les Finlandais, les Russes. Donc, voilà, nous, Français, on va devoir bagarrer avec tout ça. Ça va être terrible. Allez, c'est parti, effectivement. Et donc, notre équipe de France, Izia Basset, qui s'élance maintenant pour l'équipe. On vient de la voir furtivement passer. Izia Basset de la Sul Sport Nature de Villeurbanne. Elle donnera ensuite le relais, tout simplement, à son frère, Lucas Basset. Et puis ensuite, ça sera donc Maxime Roturier qui prendra la troisième place. Et pour finir, Cécile Calandry, notre jeune junior de l'équipe de France. Ça y est, c'est parti, Mathieu. Ouais, Et tout de alors suite, on rentre dans le match. il faut savoir qu'Isia, elle s'est préservée hier, hein, elle a fait l'impasse sur le sprint pour pouvoir être fraîche sur ce sprint. Donc on va voir si ça paye. Certains coureurs ont fait ça dans d'autres équipes aussi pour avoir les meilleures chances possibles. Donc là, on voit déjà l'arrivée sur le premier petit parc, donc sur le poste 1, où on a vu qu'il y avait une petite variation. Et on voit donc les coureurs qui se séparent pour aller chercher chacun leur poste respectif. Eh oui, d'un côté et de l'autre de la pelouse, effectivement.
Bah là, c'est quoi qui est important, Mathieu, sur ce premier relais? Voilà, ça part en masse. Il faut se concentrer sur sa carte, bah, prendre le bon poste, évidemment. Mais en même temps, bah, faut garder un œil sur le reste du peloton. Ah là, c'est un exercice extrêmement difficile. Il faut avoir beaucoup couru dans cette position pour être capable de rester complètement focus sur le travail qu'il y a à faire, sur son orientation, où est mon poste, comment je vais le chercher. Parce que là, il y a du monde de partout, et si on se laisse déconcentrer à regarder un peu les autres, là, il y a vraiment des chances de faire des erreurs bêtes. Donc là, sur les premiers postes, c'est vraiment déjà une phase importante. Les coureurs ne sont pas encore complètement concentrés dans leur bulle, dans leur course. Et voilà, c'est difficile et c'est important de bien se placer dès le début. On a noté notamment que pour Isia, qu'elle avait les mêmes postes que la Suissesse Simona. Donc on voit Simona Bersold et Tove Alexandersson qui prennent déjà les devants. Bon, c'est pas une grosse surprise. Elles vont essayer de mettre un gros tempo pour se détacher le plus vite possible. Notamment Tove Alexandersson qui est vraiment vraiment costaud sur le sprint d'hier. Et on va voir si Simona est capable de s'accrocher. Et j'imagine qu'elle en a les capacités parce qu'elle est vraiment très très costaud elle aussi. Et bien effectivement, elles sont tout de suite hein, devant, elles se détachent, hein, petit duo. Et puis derrière, on a un très très gros groupe. Isia qui est dans le paquet là, vous la voyez juste en bas de l'escalier qui est en train de monter. Les escaliers d'ailleurs, parlons-en, hein, c'est quelque chose d'assez particulier. Bah, en milieu urbain, forcément, il y a des escaliers. Il y a un travail qui est spécifique hein, sur la descente et la montée d'escalier parce qu'on peut vite perdre du temps finalement, quelques secondes dans un passage un peu tendu. Oui, alors c'est pas la principale caractéristique de ce terrain où il n'y a pas énormément d'escaliers, mais effectivement, les escaliers sont à prendre en compte, notamment dans la prise de décision, parce qu'on court beaucoup moins vite dans des escaliers, on ne peut pas lire la carte non plus. Donc voilà, c'est à prendre en compte quand on fait son choix. Est-ce que je prends des escaliers sur un itinéraire plus court ou est-ce que j'allonge un peu sur un itinéraire plus roulant sans escalier? Et puis effectivement, il faut travailler aussi la technique de monter et de descendre d'escalier, parce qu'il y a, comme tu as dit, énormément de temps à gagner ou à perdre dans des escaliers. Allez, donc on arrive à un premier point de passage intermédiaire. Enfin, ça ne sera pas exactement le point de télé, hein, pas encore, mais en tout cas, c'est juste avant ce fameux choix. Hein. On est là au niveau de la balise 5. Voilà, Tove Alexandersson, la Suédoise, qui passe donc en tête, et juste derrière Simona Bersold. Et puis, bah, ça continue derrière hein, le petit paquet, la Finlande et la Norvège, pardon. Ouais, là on a le scénario qu'on attendait. Hein. On a tout de suite les deux meilleurs qui mettent un tempo pour étirer au maximum le paquet et faire mal aux filles de derrière. Et Isia qui passe, hein, moment, 21 secondes. Elle est dans le groupe. C'est bien. C'est bien. C'est un bien. Bon début. Il faut voilà, on sait qu'elle a pas forcément les capacités de suivre Tove Alexandersson. Hein. Il y en a très peu qui l'ont. Simona Bersold a cette capacité-là, mais pour les autres, voilà, elles vont être petit à petit lâchées. Il faut arriver à faire les bons choix pour pas perdre de temps, au moins sur les autres nations. Alors parlons-en de ce choix, Mathieu. On l'a là, sur ce poste 6. On voit une balise 6 rouge très proche, une balise 6 bleue beaucoup plus loin. Donc là, vous voyez, hein, ça apparaît à l'écran E ou F. F, c'est la balise bleue. E, c'est la balise rouge. Et donc bah, là, on voit qu'il faut aller chercher... Bah, d'ailleurs, il y a une erreur qui est en cours. Hein. Regarde, Suisse et Suède sont revenus. Non, c'est en fait GPS qui est un peu décalé. Non, mais il y a aussi une barrière artificielle, donc elles sont obligées de descendre vers la rivière, vers le sud, contourner la barrière et remonter ensuite. Et par contre, là, on a les filles qui vont se séparer, celles qui vont devoir aller directement, qui ont déjà eu le poste 6E, donc le poste rouge, et qui doivent aller chercher le poste 7. Donc ça, c'est les filles qui vont passer par le haut, donc on voit par exemple la Suède, et les filles qui, elles, vont chercher leur variation du poste 6F bleu. Et qui elle donc passe plutôt par le bas, comme on a la Norvège qui a pris les devants sur cet itinéraire là. Et on peut noter que Isia est sur ce choix là. En tout cas, elle a fait le choix de passer par le bas. Et je suis pas sûr qu'elle avait je suis pas sûr qu'elle a ce poste 6F. Il me semble qu'en fait elle a déjà poinçonné le poste le rouge et donc elle aurait dû passer plutôt par le haut comme la Suède. Oui, et donc la Suisse, Simona Bersold, qui elle a le F, et donc bah, tout de suite, il y a un trou qui est en train de se créer, hein, Mathieu, puisque finalement, en tout cas, voilà, elles sont plus ensemble maintenant. Elles sont plus ensemble à cause de cette variation balise 6. On va les retrouver au niveau de la 7, et là, on va tout de suite voir qui a repris la tête.
On rappelle hein, que la balise 8 est, le, est une balise TV, donc on va très rapidement voir. Voilà, on va voir à l'écran apparaître Tove Alexanderson, Simona Aberholt. Ah, sur les variations, c'est parfois complexe de, d'arriver à comprendre qui est devant, mais voilà, les filles se regroupent. Là, sur le poste télé, on voit clairement Tove Alexanderson a fait le trou. Elle a réussi un peu le plan qu'elle voulait mettre qu'elle voulait avoir pour cette course, c'est-à-dire, on rappelle qu'on a mis quand même la meilleure fille sur les deux meilleures filles des équipes suédoises et des équipes suisses sur le premier relais, ce qui pourrait être un peu un choix bizarre, parce que généralement, on met les meilleures plutôt sur la fin. Mais voilà, Tove, elle préfère les plus à l'aise à courir en première relayeuse. Elle a pas une énorme vitesse de pointe dans les sprints d'arrivée. Et du coup, elle n'est pas très à l'aise parce qu'elle sait que si ça doit se jouer au sprint sur la fin de course, elle risque de se faire battre. Donc elle préfère être. Alors qu'on voyait Isia arriver. Qui va s'apparaître voilà, 42 secondes. En 11e place, voilà, elle est toujours autour de la 10e place à 42 secondes à présent. En tout cas, le match est lancé. Voilà, pour l'instant, tu ne t'es pas trompé, hein, Mathieu, mais je n'en doutais pas. Puisque c'est bien Tove Alexanderson et Simona Aberholt, Suède et Suisse, qui sont ensemble. Derrière, on a le petit groupe des outsiders, hein, puisqu'on a Danemark, Norvège qui apparaît. Voilà, pour l'instant, j'ai envie de dire, la course prend le large, ça commence. On va voir le passage sur l'aréna d'ici quelques minutes. À nouveau des variations hein, au niveau du poste 9, puis ensuite ça sera la balise 10 qui est commune à l'ensemble des coureuses. Voilà, alors donc là ils sont dans la variation au niveau des postes 9-10, et on voit filmé par le drone, alors on voit pas bien, mais il y a les petits points, les petites fourmis là qui s'agitent dans tous les sens. C'est les coureurs qui sont en train d'aller chercher leurs différents postes, et donc là c'est sûr qu'au GPS, dans une zone. Assez réduite comme ça avec les barrières. Donc là, on voit de haut, par exemple, ce qu'on appelle les barrières artificielles. Hein, vous les voyez en blanc. C'est des barrières qui ont été donc rajoutées pour complexifier la possibilité pour le traceur de faire des choix ou d'offrir des choix aux coureurs. Donc, voilà, pour le moment, peu de temps pour les coureurs de repos parce qu'on a vraiment des variations quasiment un poste sur deux, ce qui est relativement rare. Et on voit sur le GPS que Tove Alexanderson a déjà pris le large. Alors derrière, il va falloir assurer le coup. Bon, assurer le coup, voilà, ça sera deux cadors, hein, évidemment, qui partiront, qui sont Emil Svengs et Gustav Bergman. N'empêche que vaut mieux toujours être un peu devant que derrière. Là, c'est sûr qu'elle est en train d'appuyer très très fort sur la course. Simona Aberholt, on nous dit hein, que voilà, effectivement, elle a bien fait une erreur sur son choix d'itinéraire au niveau de la 6. Et donc, forcément, elle est en train de le payer. Elle se retrouve dans ce paquet. En tout cas, elle a perdu de vue Tove Alexanderson, ça c'est sûr. Et Tove qui s'en va, seule au monde, et qui arrive maintenant à la balise 11. Voilà, son erreur, hein, ça vient être au niveau de la 9. Hein. Pour Simona Aberholt qui fait le mauvais choix d'itinéraire dans le contournement du bâtiment. Tove Alexanderson qui arrive maintenant donc sur cette balise 12. Ouais, donc là c'est le retour sur l'aréna. Ce sera le dernier poste ensuite. L'avant-dernier poste, là on est à la 12. Donc, ouais. On arrive dans la zone de l'aréna, donc avant le passage spectacle. Et on voit déjà elle a quand même une belle avance. Alors c'était bien le plan du coach suédois, mais je pense que là, le plan se déroule vraiment à merveille. Elle a une sacrée avance. Pourtant, Simona, on sait qu'elle a la capacité de suivre Tove. Mais là, voilà, avec une course vraiment complexe, beaucoup de variations, il faut faire sa propre CO. Et voilà, Tove, à ce petit jeu-là, ben, en ce moment, elle montre qu'elle est la plus forte. Et même sur un départ en masse comme ça, ben, on a l'impression qu'elle est sur une course individuelle. Elle est tout de suite toute seule. Et elle arrive à creuser l'écart. Ouais, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant l'écart qui se passe. Mathieu, dis-moi pas que le match est tué d'avance, parce qu'on l'a tellement vendu. Mais en tout cas, ça va se battre derrière, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, là c'est quand même impressionnant ce que est en train de faire Tove Alexanderson. Ah ouais, voilà, déjà 30 secondes seulement au passage spectacle. Oui, c'est vrai. Alors, je m'attendais à ce qu'elle essaye de semer Simona, mais de là, ça lui met déjà 30 secondes sur cette première partie de circuit.
Voilà, bah, bon, y a des matchs, il va y en avoir à tous les étages. Hein. Là, on voit derrière, c'est serré. Et ouais, Et Isia Isia est qui est là. dans le groupe, Isia hein, est là, elle a sixième. quasiment pas perdu de temps. Magnifique. Elle était à 45 secondes, elle est à 51. Donc ça, c'est bien, elle fait une super course. Finlande, Et Norvège, République tchèque. Voilà, elle se trouve au milieu des filles avec les, enfin, des nations avec lesquelles Elle est là. on espère pouvoir se battre jusqu'à la fin. Et pour le moment, c'est beau ce qu'elle fait. Et ben en tout cas, elle est en train de plus que tenir la baraque, c'est vraiment super. Isia Basset qui est vraiment dans le coup sur cette première partie de relais. Elle s'est entraînée sur ces derniers jours, elle s'est entraînée encore en sprint. Toi, tu as pu assister à son dernier entraînement, un de ses derniers entraînements dans les Cévennes. Elle était vraiment en forme, tu me l'as dit, hein, tu la trouves vraiment en forme. Donc voilà, on est en train de le voir. Elle n'a pas couru hier pour se préserver pour ce relais sprint. Et bah pour l'instant, elle fait plus qu'assurer le boulot, quoi. Ouais, on l'a dit, il y a des équipes qui ont fait le choix de ne pas aligner certains de leurs meilleurs coureurs sur le sprint pour garder de la fraîcheur sur ce sprint relais. Et notamment les Suédois, parce qu'ils vont avoir leurs deux derniers relayeurs, donc Gustav Bergman et Sarah Ekström, qui n'ont pas couru hier spécialement pour espérer être en mesure de venir sur la fraîcheur battre les Suisses. Les Suisses ont aussi fait dans un certain sens le même choix parce qu'ils ont Marty Bühlmann en troisième relayeur qui lui aussi a fait l'impasse, mais Elena Ross a bien couru hier, elle a fait sixième, mais elle est extrêmement solide sur les derniers relais de relais sprint, et donc je pense que ça, voilà, c'est pas fini, on va encore avoir de la bagarre. Le match effectivement aura lieu aussi entre les quatre hommes, hein, les quatre Suédois, enfin les deux Suédois, les deux Suisses. On est en train de voir cette avancée et Tove Alexandersson qui va maintenant se rapprocher de cette fameuse 17-18. Alors là, explique-nous un peu parce que on voit, c'est assez particulier finalement cette 17-18. Il faut pas se tromper. Non, en général, de toute façon, il faut pas se tromper en course d'orientation, c'est mieux. Mais là, effectivement, c'est juste en fait, on a un forking qui est un petit peu atypique parce que les filles vont chercher le. Certaines d'abord la 17 du nord, puis descendent sur la 18 au sud, et les autres feront l'inverse. Donc sur une partie d'itinéraire, donc 17-18, elles vont se croiser, et ça peut un peu les perturber potentiellement. Ouais, en tout cas, ça peut se poser quelques questions. Parle-nous rapidement un petit peu un tracé comme ça. Alors on va attendre de voir le passage. Isia, ouais, là, voilà, Isia est toujours là, elle a reculé d'une place, mais, ouais, mais toujours avec elle est toujours dans le match. Notamment elle est devant les Anglais et on oui, sait Leak. Que les Anglais ont une équipe notamment voilà Alicia Leak qui a fait quatrième hier oui. Et donc voilà c'est bien elle est encore dans le match elle est où il faut être pour le moment là aux alentours enfin dans le top 10 et voilà on sait que on vise 10 ou un peu mieux et tant qu'on est là moi ça me va. Allez, on suit maintenant. Alors oui, je voulais juste te demander, Mathieu, les tracés, c'est quand même, voilà, quelqu'un qui trace ce genre de parcours, il faut imaginer des choix d'itinéraire, il faut jouer un petit peu avec les ruelles, etc. Se dire, bah tiens, là, ça peut être intéressant de passer à droite, passer à gauche. Et tu me disais, le traceur de ce parcours, alors qu'on a Isia en plein dans la caméra, le traceur de ce parcours, bah, voilà, c'est quelqu'un qui est réputé pour être un très bon traceur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, tout à fait. Il faut rappeler qu'à la base, ce championnat du monde devait être un championnat du monde uniquement forêt, donc sans les disciplines de sprint et de relais sprint qu'on a eu hier et qu'on a aujourd'hui. Et du coup, les organisateurs, à cause de la pandémie, où il n'y avait plus le championnat de sprint qui était prévu l'an dernier, a été repoussé, alors qu'on a Tove qui revient sur l'arrivée. Hein. On va avoir droit au passage de relais. Donc juste, voilà, rapidement, les organisateurs ont dû trouver des terrains de jeu pour les sprints qui n'étaient pas forcément prévus à la base, et notamment Doxy, qui est pas un terrain exceptionnel pour le sprint. Mais voilà, avec un bon traceur, on arrive à avoir quand même à la fin des circuits qui mettent en difficulté les coureurs, notamment avec ces barrières artificielles, et à trouver des moyens de jouer avec le terrain pour proposer des itinéraires sur chaque, enfin des choix d'itinéraires sur chaque poste. Et ces systèmes de variation. Et ces systèmes de variation. Première arrivée donc pour Tove Alexandersson, elle a failli rater Emil Svens, voilà, qui vient de partir. Eh bien, on va voir le retard maintenant pour l'équipe suivante. En tout cas, on peut dire qu'elle a fait le job. Elle a plus que fait le job. C'est donc Simona Abersol qui va arriver derrière avec quasiment 20 secondes. Simona qui a repris un petit peu peut-être sur la fin. Mais voilà, on a quasiment on a 25 secondes. 19 secondes au moment du change, et donc ouais, Joey Adorn. C'est au passage de la ligne, donc voilà, Joey Adorn, il a le couteau entre les dents. Ouais, là je pense que là. Puisqu'hier il a été disqualifié.
Hier, il a été disqualifié puisqu'il a fait un mauvais poinçon, hein, donc il n'a pas pris une bonne balise. Et en course d'orientation, ça ne pardonne pas. Mauvaise balise, vous êtes disqualifié. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a envie de travailler à faire. Isia Basset qui arrive. Regardez qui arrive en quatrième position. La France qui va. Elle lance plus que bien Maxime Roturier. C'est vraiment top. Un énorme relais d'Isia. Franchement, un énorme relais d'Isia. Voilà, République tchèque juste devant. Et la France, donc, une minute d'écart. Mais en tout cas, plus que dans le match. Avec donc l'Estonie et la Norvège. Oh, on est bien. Et Maxime Roturier qui prend le relais, qui prend le large. Je pense que là, Maxime, il va nous sortir. Je vous rappelle, hein, Maxime, quand même, en 2019, c'est une médaille en Coupe du Monde en sprint. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, Maxime. C'est un plus qu'un remplacement de luxe pour Frédéric Tranchant. Oui, on a pour la troisième place, on sait qu'on a des équipes vraiment très très denses, très solides, notamment les Norvégiens qui finissent avec Kasper Fosser et Andrin Benjaminsen. Ça, c'est vraiment très solide et ça va dépendre un peu de la capacité de leurs deux premiers relayeurs à rester au plus proche de la tête et des places de médaillés. Ensuite, on a les Danois, on a les Tchèques. Tout ça, c'est vraiment très très solide. Et bien là, pour le moment, Isia, elle est là et elle est présente. Elle a vraiment fait le boulot. Ouais. Je pense qu'on pourra, on verra avec Quentin tout à l'heure, mais à mon avis, on pourra avoir un petit mot de sa part, en tout cas, on l'espère. On a à l'image maintenant, petite hésitation pour Emil Svensk dans la montée de la 3. Ah, il fait un choix, d'accord, au niveau des escaliers. Alors, Emil, il a vraiment, lui aussi, je pense, le couteau entre les dents, parce que hier, il nous a montré qu'il avait les jambes pour gagner, et, tout simplement. Il était dans le match. Sur les deux tiers du parcours. Et puis, voilà, il y a un moment de déconcentration. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en fait, il a lu un enchaînement de postes à l'envers. Il a commencé au lieu de faire 12, 13, 14, il a fait 12, 15, 14, 13. Il commençait à faire le parcours à l'envers. Et ça, c'est des erreurs qui arrivent, mais voilà, qui sont évidemment rédhibitoires. Et du coup. Allez, Maxime Roturier qui descend les escaliers, qui est toujours avec Miloš Nikodim, le Tchèque, et juste derrière lui, c'est donc l'Estonien. Hop, on va retrouver. Et puis Odo Mundal aussi, le Norvégien derrière. Donc pour le moment, c'est sûr, il est dans le bon paquet là. Il faut qu'il arrive à rester dans ce paquet là, tout en faisant ses choix, hein, parce qu'on a vu qu'avec autant de variations, on peut pas juste suivre en espérant comme ça arriver à s'en sortir. Il faut vraiment faire ses choix pour aller chercher ces postes en prenant les meilleurs itinéraires possibles. Ouais, c'est dur parce qu'effectivement, il faut bombarder, il faut envoyer. Hé, hey, regarde qui c'est qui est revenu. Joey Adorn qui vient de revenir sur Emil Svensk. Il faut pas parler trop vite, Mathieu. On a parlé un peu vite, j'ai l'impression. En tout cas, on va pouvoir voir la petite erreur derrière. On sait qu'on a Brieux et Marion qui sont en régie, qui vont nous envoyer un petit texto pour nous expliquer. On va la voir, hein. Voilà, Emil. Qui a donc pris la 3 correctement et derrière il avait une variation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se fait rattraper, il fait pas le bon choix, non? Oui, alors après, on a sur certaines variations, des fois on a des variations qui sont un petit peu plus courtes. C'est difficile d'avoir exactement les mêmes écarts sur les variations, mais il faut savoir que s'il a ce qu'on appelle des variations courtes et des variations longues, si un des coureurs a une variation un peu plus longue, probablement, enfin, c'est pas probablement, c'est en fait. Le troisième relayeur, lui, du coup, aura la variation courte et sur l'ensemble de l'équipe, ça va s'équilibrer. Effectivement, ça, c'est ce qui est important. Hein. C'est vraiment ce qui est important de préciser, c'est que ces fameuses variations permettent d'éclater un petit peu la course, hein, pour pas que les coureurs se suivent. Mais au final, tout le monde a tout fait, et donc ce qui donne une vraie équité. Et donc, effectivement, on a bien cette confirmation que Emil Svensk avait une variation un petit peu plus longue sur la balise 4. Oui, ça on pourra le savoir seulement quand les troisième relayeurs seront là et on verra ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, là maintenant, ils n'avaient pas la même 6. On va voir au niveau de la 8, donc le prochain pointage intermédiaire. Est-ce que Emil Svensk et Joey Adorn sont toujours ensemble? En tout cas, on voit aussi derrière, Maxime Roturier est toujours avec l'Estonie et juste derrière la République tchèque. Donc pour l'instant, Maxime qui est très très bien. Ouais, on va espérer qu'il va être capable de faire les bons choix et c'est un très bon technicien, Maxime, donc il en a bien sûr la capacité. Maintenant, reste à savoir si le jour J il est capable d'être complètement dans sa course, de faire les bons choix, donc de ne pas se laisser attirer sur les mauvaises variations. Ça, c'est toute la problématique d'un relais sprint. Je ne sais pas ce que tu penses du choix de Joey Adorn, qui lui avait la rouge, donc la 6E.
et qui se retrouve toujours derrière, qui a fait finalement la suite, le même choix. Et je crois que dans ce qu'on avait, dans ce qu'on avait pu voir, analyse, il a justement fait un choix plus long. Il est passé par la F, par la 6F, et donc du coup, il se retrouve derrière. Ouais, ça c'est un peu le jeu du traceur, donc d'essayer d'attirer les coureurs qui vont suivre sur la mauvaise variation et donc de faire des itinéraires plus longs. Et on a vu que pour ce poste, pour cette variation 6, ceux qui ont le poste rouge, il vaut mieux aller chercher par le nord. En tout cas, c'est ce que le traceur pensait. On verra si effectivement c'est le cas avec les chronos. Et donc Emil Svens qui est maintenant seul devant. Emil Svens qui vient de passer au point intermédiaire de la balise 8. Et pour l'instant, pas de nouvelles pour Joey Adorn. Donc il y a bien eu un petit décalage. Emil Svens a repris un petit peu de temps. On va voir s'afficher exactement les chronos, mais toujours pas de nouvelles. Voilà Miloš Nikodim. Ouais, le premier, donc probablement, on a Joey qui est passé, mais qui son temps n'a pas été enregistré, puisqu'on ne l'a pas à l'écran. Effectivement. Mais voilà, on a les poursuivants, et on espère voir Maxime apparaître. Le voilà, Maxime Roturier, qui est toujours dans le coup, évidemment, avec Odun Hemdal. Ouais, Soren Tramodum, le jeune Danois, avec Ralf Street. Donc voilà, là, on est vraiment bien placé. Hein. On est dans le groupe de devant. On savait qu'on ne pouvait pas aller forcément jouer pour aller chercher 1, 2, 3. Mais voilà, on a dit les places derrière sont assez ouvertes. Et c'est vraiment super de voir pour le moment les Français être capables de jouer ces positions-là. Pour l'instant, on est dans le match pour la troisième place. Devant, effectivement, c'est parti un petit peu, mais on est toujours dans le match pour la troisième place avec République Tchèque, Norvège, Danemark, France, Grande-Bretagne et Estonie. Voilà, on est là, on est bien placé. Et Maxime qui est en train d'assurer, qui est en train de faire une grosse course. Oui, alors il faut dire que les deux premières filles ont été costauds, notamment Tove, mais là, les deux premiers, les garçons, sont pas complètement clean sur leur propre sur leur choix. Il y a des petites boulettes. Donc bon, la chance pour eux, c'est qu'ils font les fautes un peu à tour de rôle. Donc là, au final, les écarts ne bougent pas forcément. Même si là, on a l'impression qu'Emil Svens, il va passer sur l'arène, hein, donc on va pouvoir le voir dans quelques instants. Il a repris le large. Vous voyez derrière le petit trait qui suit les coureurs. Le petit trait correspond en tout à une minute. Donc voilà, ça permet aussi de visualiser un peu le retard. Donc voilà, on peut imaginer que là, Joey Adorn a une bonne vingtaine de secondes de retard sur Emil Svens. Emil Svens qui va donc débouler sur l'aréna pour le passage spectacle. Le voilà, Emil Svens, Suède. Ouais, donc le plan des Suédois qui se déroule toujours à merveille. Hein. Bon, faut savoir que Tove, elle est championne du monde et que Emil, il aurait très bien pu l'être. Hein. Enfin, en tout cas, il avait la vitesse pour. Donc, c'est pour ça que les coachs n'ont pas hésité à le remettre aujourd'hui dans le relais sprint. Et voilà, il a montré qu'il avait un gros tempo. Et Joey Adorn, pour le moment, n'a pas réussi à lui remettre la main dessus. Juste un petit mot hein, pour alors Emil Svens qui est en train donc de passer sur l'arena. On va pouvoir voir son temps et le temps de retard surtout pour la Suisse et Joey Adorn. Juste un petit mot pour ceux qui nous regardent. On vous invite à regarder le player qui est sur la page d'accueil sur internet, hein, sur la page d'accueil de 8 Mont Blanc, et pas ne cliquez pas forcément sur le direct, puisque sur le direct vous avez l'ensemble des publicités, etc. Donc voilà, le player complet du stream que nous on est en train de vous commenter, de vous suivre, et sur la page d'accueil de 8 Mont Blanc. Voilà, c'était une petite précision puisqu'on a eu plusieurs questions. Joey Adorn, voilà 24 secondes, et puis maintenant c'est Ralf Street, le Britannique, qui va arriver, et Miloš Nikodim, le Tchèque. Allez, on espère voir sortir. Voilà, Maxime Roturier qui va débarquer. Non, c'est pas encore lui. Non, non, on a d'abord Soren Tramodum, ensuite Odun Hemdal, le Norvégien. Et donc là, on a Max qui a un peu disparu. Et visiblement, il a fait une petite faute sur sa variation à la 9. Donc là, par contre, on a une grosse course de Ralf Street hein, qui a notamment, vous pouvez admirer sa magnifique coupe de cheveux. Il s'est fait le logo
des championnats du monde en coiffure, c'est spécial. Mais visiblement, ouais, ça lui donne des ailes aujourd'hui parce qu'il a fait quand même il fait une bonne course. Eux aussi visent le podium et pour le moment, voilà, il est à troisième place. Allez, le passage donc sur l'arena avec Grande-Bretagne, République tchèque, Danemark, Norvège et Finlande un petit peu décroché. On va voir le retard pour Maxime Roturier. Et Maxime Roturier qui lancera donc par la suite Lucas Vasset. Et le voilà, Max, le voilà, Maxime. Il a perdu du temps. Il a perdu un peu de temps, ouais. Effectivement. Il a perdu du temps, donc visiblement sur cette variation un peu complexe avec les barrières artificielles. Donc on n'a pas vraiment vu ce qui lui était arrivé, mais là oui, il est maintenant à 1 minute 42. Et voilà, vous voyez comme ça va vite. Hein, on était vraiment, il était à la 5e place, tout allait parfaitement bien. Et puis voilà, là, une petite erreur, il recule d'un coup à la 10e place. Et on va devoir bagarrer là, pour essayer de revenir sur ce top 6. Ouais, bien sûr, rien n'est perdu évidemment. Hein, là, il va falloir tout donner et ben Maxime, on sait que voilà, il est à fond, il est remonté, donc pas de souci là-dessus. Je précise juste une dernière chose. Donc vous avez le lien sur la page d'accueil de 8 Mont Blanc et puis nous avons remis un lien également sur le Facebook FFCO. Donc voilà, pour ceux qui ont peut-être des petits problèmes de connexion, n'hésitez pas. Le lien, il y a deux liens, page d'accueil et sur le Facebook FFCO. Et normalement, tout va bien se passer. Nous sommes donc maintenant avec le local, enfin en tout cas le Tchèque Miloš Nikodym qui bombarde, qui envoie. Et donc le match toujours Suède-Suisse devant, avec là un long choix d'itinéraire. Donc ce choix, il est pour la course homme, hein, pour les relais 2 et 3. Ouais, non, oui, c'est ça, c'est un des choix que le traceur pense pouvoir être décisif, parce que là on a à la fois donc une variation sur le poste 18 et à la fois on a différents choix d'itinéraire possibles pour aller soit sur un des postes soit sur l'autre, et du coup là on a potentiellement des erreurs qui peuvent être faites sur les choix. C'est un choix qui est pas facile à découvrir au premier coup d'œil, donc découvrir quel est l'itinéraire le plus rapide. Donc on va voir. Alors il faut savoir que les variations sont attribuées en fonction du numéro de dossard. Donc en fait, les Suédois et les Suisses qui ont le dossard 1 et 2 ont forcément des variations opposées. C'est-à-dire qu'en fait, de la course, ils vont jamais avoir en même temps le même poste, la même variation. Donc c'est pour ça qu'on les voit à chaque fois et se séparer. Et c'est une technique qui permet donc d'éviter que les meilleurs se suivent. Le passage d'Emile Sphinx maintenant donc à la balise 19 de ce parcours. On va voir si la vingtaine de secondes qu'il avait, les 24 secondes exactement d'avance qu'il avait sur Joey Adorn sont toujours là ou s'il a perdu, en sachant que manifestement sur cette balise 18, Emile Sphinx n'a pas forcément fait le meilleur choix d'itinéraire en rapidité, donc d'après le traceur, hein, donc on va voir le voilà, Joey Adorn. Ouais, ça l'empêche pas quand même de ouais, rester devant. Tout à fait, il est toujours devant. On va voir son temps s'afficher à Joey Adorn. À mon avis, on est dans les 24 secondes, on doit toujours être à peu près à ce niveau-là. Hein. Ouais, nous, ce qui va nous intéresser, c'est derrière, est-ce que Max est capable de réduire un peu l'écart avec les coureurs qui lui étaient passés devant. Effectivement, alors Maxime qui est toujours avec l'Estonien en ce moment, allez, on peut imaginer qu'il est en train de revenir fort, de pousser sur cette grande ligne droite dans cette rue. S'il arrivait à récupérer le petit paquet là, avec la Norvège, la République tchèque, ça serait vraiment... top, Ralph Street qui passe maintenant le Britannique. Ouais, Ralph Street toujours à 3ème place, 43 secondes, il fait une bonne course. Hein. Ouais, il fait une bonne course, parce qu'il a repris 20 secondes. Hein. Voilà, il a repris du temps. Secondes, exactement 20 secondes donc, sur Emile Sphinx. Ouais, et puis sur Joey Adorn aussi, donc probablement que les deux n'ont pas fait un choix optimal là, sur la variation 17-18 dont on parlait. République tchèque, Danemark ensemble, puis Norvège maintenant avec Odun Emdal. Et on va attendre un peu, hein, on sait que Max était passé 10e, donc on va avoir normalement quelques nations encore à passer.
avant de voir apparaître la tenue blanche des Français. Non, on n'aura pas cette chance. Ça va être le passage de relais dans quelques instants. Avec donc, ça sera le troisième relayeur. On arrive déjà à la mi-course. Hein, c'est vraiment hyper rapide. Hein, temps de course global, hein, c'est une heure en fait. Hein, donc voilà, c'est vraiment très rapide. À 15 minutes par relais. Là, on a Émile qui va passer le relais. Au troisième relayeur, au deuxième garçon, qui est autre que Gustav Berman. Alors, c'est pas n'importe qui, parce que c'est le numéro 1 mondial. Voilà, mais il a fait l'impasse hier sur le sprint pour avoir toutes ses chances de médaille aujourd'hui. Après, Gustav, sa force, c'est vraiment la forêt. Même s'il adore le sprint, il est pas forcément aussi rapide que les tout meilleurs en sprint, mais c'est quand même un sacré client. Tu veux dire qu'il y a un match entre Gustav Berman et Martin Hoogmann que nous avons maintenant à l'écran. Eh bien, nous allons voir les quelques secondes. Ah, ça va tourner autour de la grosse vingtaine de secondes de ce relais. Voilà le retard pour Martin Hoogmann. Ah, tu pars comment là? Tu pars parce qu'il ne faut pas non plus tout lancer dès le premier poste et se satelliser. C'est quoi l'attitude à adopter pour Martin Hoogmann? Ah là, c'est quand même difficile d'arriver à prendre son temps, mais c'est sûr que sur le premier poste, on dit qu'il faut vraiment bien faire l'effort d'avoir un gros tempo de lecture de cartes, donc faire des allers-retours assez fréquents pour arriver à bien rentrer dans sa course, arriver à bien comprendre le mode de cartographie. Mais là, lui, il n'a pas le choix, hein, il faut qu'il mette les gaz le plus vite possible, donc voilà, ils sont entraînés pour ça. Hein, donc, il va falloir effectivement... Tout donné. Allez, maintenant donc la République tchèque, Miloš Nikodim avec Soren Radonum. Et puis juste devant, c'est Ralph Street, le Britannique, qui va donc venir prendre la troisième place. Voilà, il vient de lancer Colin Colbe. Voilà, c'est parti pour la Grande-Bretagne. Donc troisième place. Ouais, ça c'est bien. Il a fait une super course. Alors Colin Colbe, c'est un Allemand, donc je pense pas qu'il ait fait partir. C'est Peter Hodkinson, le troisième relayeur, qui est aussi un client. En tout cas sur piste, il a des références intéressantes. Parle-nous un peu du coup des références là, voilà, les troisièmes relais qui sont en train de partir. C'est intéressant ce que tu dis là. Ça peut aussi montrer à quel point ces athlètes là sont des très grands athlètes. C'est quoi les références sur 3000, sur 5000 par exemple qu'on peut avoir pour ces athlètes? Ah bah c'est des gars qui notamment pour le sprint qui s'entraînent beaucoup donc sur en athlée, hein, donc sur les qui ont des certains pour certains des sacrées références, notamment le Belge Yannick Michiels qu'on a vu courir hier et être tout près d'aller chercher une médaille, qui a des références à faire rougir certains athlètes sur piste, hein, notamment sur le 10 000 où il est il me semble en dessous des 29. En tout cas, voilà, on a pour la plupart des sacrés athlètes. Hein. Allez, le Maxime Roturier qui arrive, on l'a juste raté au moment où il allait passer le relais à Lucas Basset. Voilà le passage de relais qui vient de se faire donc entre Maxime Roturier et Lucas Basset. Et pour l'instant, on a la course qu'on attendait, c'est-à-dire un match devant entre Suédois et Suisses, même si l'écart est un peu plus important que ce qu'on aurait pu penser. Mais voilà, hein, Tove Alexandersson en forme, ça fait mal d'entrée de jeu. Et depuis, les Suisses n'arrivent pas à reprendre ces 20-30 secondes que Tove a réussi à prendre d'entrée de jeu. Donc c'était le plan des Suédois. On va voir si le plan tient jusqu'au bout ou si les Suisses sont capables de revenir sur leurs deux derniers relais. En tout cas, là, le match continue entre Suède et Suisse devant. Et puis derrière, on a ce groupe Grande-Bretagne, Danemark, République tchèque. Alors que pour l'instant, eh bien, nous n'avons pas vu passer Peter Atkinson. Donc, on va voir. À l'image, on a Wojtek Rall, hein, donc qui est un des meilleurs sprinteurs aussi, le tchèque. Et qui va avoir à cœur de faire un super relais après la petite déception d'hier, probablement pour lui. Donc hop, voilà Casper, voilà, Fosser. Là aussi, on a un sacré avion de chasse. Effectivement, donc lui qui est allé, qui est bien sûr allé chercher sa médaille hier, vice-champion du monde de sprint, tout simplement pour Casper Fosser. On va voir si la Norvège est capable de remonter, si le Norvégien est capable de remonter sur les Tchèques devant, et ainsi que les Danois et la Grande-Bretagne. Ouais, Audu Mendal, donc sur le relais précédent, visiblement a fait une petite faute sur le dernier forking, la dernière variation. Donc
Et voilà, c'est Tu parles du pourquoi. norvégien. Ouais, Oudmundsdal, le Norvégien, pardon. Et du coup, voilà, c'est pour ça, on voit Casper Fosser, du coup, qui se retrouve un peu en chasse-patate derrière et qui a perdu donc le groupe de devant et qui va. On voyait qu'il poussait fort vraiment pour essayer de reprendre le contact visuel au moins, ce qui aide quand même les coureurs, même s'ils doivent faire leur propre orientation. On sait que voilà, quand on a en visu les coureurs devant, ça aide quand même à gagner un peu de temps. Alors pour l'instant c'est bien donc Gustav Bergman qui est toujours en tête avec 42 secondes. Il a accentué un petit peu son avance sur Martin Hoopman. Et donc derrière c'est Peter Hodgkinson, Grande-Bretagne, qui prend la troisième place. Et puis on a un petit duo qui vient juste derrière titiller la Grande-Bretagne avec Vosges Kral et Jacob Edsen, le Danois. Ouais, on peut déjà parler du dernier relais, peut-être des filles. Donc on aura Sarah Ekström pour les Suédois qui n'a pas couru hier. Elena Ross pour les Suisses qui a couru hier mais qui est vraiment très très solide, notamment sur cet exercice du relais sprint. Donc ouais, on va voir si c'est sûr que si elle part avec 30 secondes, Sarah aura le temps de vraiment s'appliquer, poser sa CO comme on dit, donc c'est-à-dire bien bien faire attention à ses choix. Et ce sera dur pour Elena de revenir. Et puis ensuite pour la troisième place, eh ben on a les Anglais qui ont une petite jeune, Megan Carter-Davis, qui n'a pas encore énormément de références. On sait qu'elle est rapide, mais donc elle va avoir une sacrée pression parce qu'elle risque de partir potentiellement juste avant Maya Alm. Et Pour là, jouer la médaille. elle, par contre, elle a des sacrées références. Et en tout cas, là, les Danois font vraiment une belle course parce que l'idée généralement c'est d'essayer d'envoyer Maya Alm pas trop loin de la tête et après espérer qu'elle ait des bonnes jambes ce jour-là. Effectivement, c'est déjà ce qui s'était passé sur les championnats du monde 2018 où Maya Alm était remontée, revenue du Diable Vauvert pour venir prendre la médaille de bronze sur ces championnats du monde. Gustav Bergman qui vient de passer, il avait une quarantaine de secondes d'avance sur Martin Hoopman, et Martin Hoopman qui reprend un petit peu de temps ouais, puisque maintenant c'est 29 secondes. Voilà, il en a perdu déjà un petit peu. On a vu qu'il hésitait un peu en sortie de poste aussi alors que Martin a l'air beaucoup plus fluide. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas évident de partir en tête. On a la pression, on veut bien faire. Et évidemment que ça joue aussi pour les coureurs. Hein, c'est un sport qui joue aussi beaucoup dans la tête. Il faut être capable de rester fort dans la tête, de rester concentré sur sa carte, sur ses itis. Et voilà, là, c'est une position qui est à la fois confortable de partir avec de l'avance et en même temps, c'est difficile de ne pas gamberger. Allez, du coup, des nouvelles hein, de Lucas Basset qui est donc en 9e position pour le moment, juste derrière l'Ukrainien Taras Ratchouk et à quelques secondes derrière Casper Fosser. Donc voilà, Lucas, en tout cas, on est toujours dans ce top 10, l'équipe de France. Et puis, on va essayer de voir s'il peut reprendre l'Ukraine déjà et grappiller des places. Peter Hodgkinson toujours, alors que Wojciech Kral est en train de lui revenir dessus, la République tchèque qui n'a pas dit son dernier mot. Hein. Et puis, ça va finir fort aussi pour la République tchèque. On n'a pas encore parlé de la dernière relayeuse. Oui, on n'a pas parlé de la dernière relayeuse tchèque. Donc, Teresa Janisíková, qui est aussi un jeune espoir. Elle est encore toute jeune, elle a 22 ans. Et ouais, hier, elle visait aussi une médaille. Elle est passée un petit peu à côté. Mais voilà, sur un relais sprint comme ça, elle sera dangereuse aussi dans l'emballage si elle arrive au contact d'autres coureurs. Elle a une sacrée vitesse de pointe. Comme elle nous l'a montré sur le Chaos Sprint, donc une des disciplines du sprint du championnat d'Europe, où elle avait vraiment fait sur une des courses un sacré finish. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. Effectivement, et puis juste derrière, hein, tu disais un peu en chasse-patate, Casper Fosser, qui lui, voilà, à moins de 10 secondes de la République tchèque, ça veut dire que pour Andrine Banyaminson, ça sera aussi une belle performance. Hier, voilà, elle était plutôt bien placée sur le sprint, merci. Et donc voilà, 10e position hier pour elle. Donc à voir, il y aura ce match pour la troisième place qui est lancé entre République tchèque, Grande-Bretagne et Norvège. Ouais, on l'a dit, hein, ça va être très très dense. Les places de 3 à 6 vont valoir cher. Alors qu'on savait que les places de 1 à 2 étaient quasiment assurées à la Suède et la Suisse qui ont quand même des équipes qui sont difficiles à aller chercher. Casper Fosser qui passe en 5e position juste derrière Vosges Kral, Gustav Bergman qui va ne pas tarder à débarquer sur l'Arena et donc pour le Danemark, eh bien, c'est un peu de temps perdu également pour Jacob Edsen puisque Jacob Edsen passe en 6e position. Et maintenant sur l'Arena, passage spectacle pour la Suède avec Gustav Bergman qui passe. Alors juste derrière, vous avez un relais qui a pris un tour. Hein.
Ouais, je pense que c'est l'Américain. Donc il passe effectivement, mais c'est l'Américain du deuxième relais, alors que qu'on a Gustav Berman sur le troisième relais. Allez, Joe, Martin Voilà, alors Guzman maintenant, maintenant. voilà, ce qui va nous intéresser, c'est l'écart. Hein. Est-ce que Martin est capable de combler un petit peu de ses 30 secondes? Et visiblement, c'est toujours pas le cas. Et non, puisqu'il y avait 33 secondes au pointage intermédiaire précédent. Et pour l'instant, eh bien, c'est 34 secondes. Ouais. Donc il n'a rien perdu, rien gagné. Ça reste à une trentaine de secondes. Ça va être intéressant la prochaine boucle, hein, Mathieu, puisque là, on rentre dans ce grand choix d'itinéraire entre 17 et 18. Et tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des différences qui s'étaient faites. Donc il va falloir que Gustav Bergmann assure le coup face à Martin ou Ouais, pas. à ce niveau-là, 30 secondes, c'est à la fois énorme et Oui. puis à la fois, on a vu qu'avec une erreur, on pouvait très vite les perdre. Donc voilà, et c'est confortable, mais Et regarde qui faut pas c'est qui qu'il fasse arrive de fausse. derrière. Bah, ouais, c'est Casper, la fusée Kasper Casper, Fosser, la fusée norvégienne qui est en train de rouler sur Peter Bah, il Hodgkinson. roule sur tout le monde là, Il parce roule qu'il sur tout a, le voilà, monde, il a repris la évidemment. Tchéquie, il est en train de reprendre Il a donc repris le Peter Danemark, il a repris Hodgkinson. la Finlande. Et puis effectivement, il est en train de reprendre Peter Hodgkinson. Casper Fosser va être en train de faire un grand numéro. Et Wojciech Skrall qui passe maintenant avec une 22 de retard. On va voir le retard pour Jakob Edsen, le Danois. Parce que ça, c'est aussi intéressant pour savoir à combien Maria Alm va s'élancer derrière. Ouais, tout à Eh bien fait, voilà. il est pas si loin, là il s'accroche, 1,36. Donc voilà, il est 10-15 secondes derrière ce groupe-là. Et Alexis Niemi qui passe maintenant pour la Finlande. Voilà. Ici, vous avez donc Jakob Edsen et juste derrière Alexis Niemi, le Finlandais. Ah, ça reste serré, c'est Ah ouais. dommage que Max ait fait cette petite faute à un moment là qui nous a décroché de ce paquet-là. Là, ça aurait été bien de voir Lucas passer à ce Il va moment-là. passer, là, il va passer. Top 8 pour l'instant. Il est annoncé juste derrière Alexis Niemi. Il a donc repris Sergei Rajbloskin, l'Estonien, et Taras Ratchouk. Donc pour l'instant, Lucas Basset, 8e position pour l'équipe de France. Donc voilà, on s'accroche à cette 8e place. Et puis bien, derrière, ça sera Cécile Calandry. Ma foi, elle peut tout Eh ben faire. allons-y, Elle peut allons-y. tout faire. Soyons Donc fous, soyons fous. reprendre les coureurs de devant. Là, Voilà. on a quand même du très très costaud devant. Bien Donc sûr. déjà, si elle arrive face au meilleur mondial à garder une 8e place, ce sera déjà vraiment bien. Et puis après, mais pourquoi pas, soyons fous, elle nous a tellement surpris hier. À la fois, on lui demande rien, mais en même temps, elle nous donne tout. Et franchement, avec la course qu'elle a fait hier, ce serait vraiment super de l'avoir performé à nouveau aujourd'hui. En direct, vous avez Casper Fosser qui est en train de lâcher et de dépasser complètement Peter Hodgkinson. C'est impressionnant, hein. Là, c'est impressionnant. Ça vous montre quand même à quel point Casper Fosser est impressionnant. Alors, on vient de Ouais, et voir, puis c'est très intéressant, là, on vient de les ouais, voir vous les poinçonner. voyez pointer un poste. Alors, Vous avez vu qu'il passe sans s'arrêter. Explique-nous, Mathieu. Là, c'est impressionnant parce que bon, c'est les nouvelles technologies. En fait, ça permet de pointer les postes de manière électronique, mais sans s'arrêter au poste. Hein, c'est ce qu'on appelle du touch free, donc en anglais. Et ça, donc, c'est la technologie qui permet d'enregistrer leur passage au poste. Et ils n'ont même plus besoin de s'arrêter. Et ce qui est impressionnant, c'est que en fait, on voit ils sont en parfaite maîtrise déjà de l'itinéraire suivant. C'est-à-dire qu'ils ont déjà anticipé leur choix d'itinéraire et ils ne s'arrêtent pas du tout au poste. Alors ça, évidemment, c'est à ne pas reproduire chez vous, hein, parce que ils sont capables de le faire à des vitesses folles, mais un orienteur moyen, lambda, sera obligé de s'arrêter en fait au poste pour réfléchir au poste suivant. Là, c'est vraiment, ils le font à des vitesses folles, et bon, ça montre un peu toute la technicité de ces coureurs. Allez, donc les Norvégiens, Tchèques et Suisses, vous voyez, qui ont la 18N sur cette prochaine génération. Gustav Bergman qui est en train de passer maintenant à la balise 19. On va donc voir dans quelques instants s'il a toujours cette trentaine de secondes sur Martib ou Mann, en sachant que manifestement, les Norvégiens, les Tchèques et la Grande-Bretagne n'ont pas fait forcément le choix le plus rapide d'après le traceur sur justement cette balise 17. Donc on va voir si ça remonte derrière. Mais en Ouais, tout cas. potentiellement aussi Martin Mühlmann Oui. qui pour aller chercher sa variation a pas forcément fait un choix optimal, donc Mais il c'est va sûr, hein. il, Regarde, il avait 33 voilà il secondes va de retard et là, il est encore qu'à la 18, hein. Donc, et ouais, effectivement. ils arrivent pas à revenir dans le match, et les Suédois sont devant, ils sont en contrôle. Alors c'est une position donc comme je disais qui est à la fois difficile, mais à la fois évidemment là ça commence à sentir bon pour eux. Ah ouais, 48 secondes, hein. 48 secondes, Gustav Bergman va lancer Sarah Ekström vraiment
sur du velours. Hein. Ah, dans un fauteuil, là. Ouais, dans un fauteuil, et effectivement. Voilà, elle l'a déjà fait d'être dans cette position-là. Elle a l'expérience, elle n'a pas couru hier, elle est fraîche. À voir si elle résiste à la pression, évidemment. Là, ça, c'est difficile, il faut, comme je disais tout à l'heure, arriver à faire sa course et à ne pas gamberger, pas penser déjà, pas avoir de pensée parasite, penser déjà à la médaille, penser à ce qui peut arriver si on fait une faute. Voilà, alors qu'on a notre ami américain qui passe encore avec son relais de retard. Son petit taux de retard. Il a le droit à la caméra. Il a le droit du coup. C'est parfait. Casper Fosser, ouais, qui est donc troisième avec juste derrière Peter Hodgson. Ouais, Roger Skral, c'est Wojtek. Difficile. Ouais, Wojtek perd un peu de temps. Il va avoir du mal à lancer sa relayeuse au contact. Mais voilà, on voit que c'est serré. Alexis Niemi et le Danois est toujours dans le match. Hein, donc. Ouais, comme je vous disais, hein, de 3-7, là, on voit, voilà, il y a 30 secondes, il y a moins de 30 secondes, donc ça va être intéressant, là, c'est sûr. Oui, ben donc le huitième, ça sera donc Lucas Basset, hein, qui était à une minute derrière le petit groupe, hein, qu'on a vu passer. Malheureusement, on ne l'aura donc pas à l'écran, mais en tout cas, voilà, le match pour les 7 premières places pour l'instant, il est le suivant, Suède-Suisse, puis derrière Grande-Bretagne, République tchèque-Finlande et Danemark. Alors que Gustav Bergman va en terminer et va donc donner. Ah, il a fait le job, un petit coup d'œil derrière, il n'y a personne, tout va bien. Voilà, donc Sarah Ekström se prépare à partir. Là, je peux vous dire, les pulses, ça bat fort. L'excitation, l'adrénaline. Et en même temps, il faut calmer tout ça. Il faut arriver à faire descendre un petit peu la tête pour garder les pulses, pour garder la tête froide. Mais là, c'est sûr, elle est. Ouais, ils ont fait un super job. Elle est vraiment en position idéale. En tout cas, c'est sûr. Je pense qu'il pouvait difficilement rêver mieux. Alors que Martin Hümann arrive sur le dernier poste, on voit il a pas réussi à refaire son retard. Le voilà, effectivement, Martin Hümann, hein, pour la Suisse qui va arriver. Et derrière, c'est pas loin là. On a Casper, hein, logiquement, qui est. J'imagine c'est Casper qui est en train d'arriver. Ouais, c'est bien lui. Andrew Magnusson qui va donc partir juste derrière Elena Ross. C'est sûrement pas fait pour la Suisse non plus, hein, pour la deuxième place, parce que ça va pas jouer à grand chose derrière entre Elena Ross qui va s'élancer et Andrine Banyaminson, la grande Andrine Banyaminson que vous voyez juste derrière. Eh bien, on va voir combien de retard pour la deuxième place. Casper Fosser qui donne tout, c'est impressionnant. Il tire, c'est vraiment balèze sur cette ligne d'arrivée. Ah, il a tout donné. On a l'impression qu'il pioche un peu, mais je peux vous dire, ça va quand même très très vite. 29 secondes de retard pour Andrine Banyaminson sur Elena Ross, la Suissesse. Donc voilà le match. Suède devant, Suisse, Norvège et Grande-Bretagne avec Peter Hodgkinson qui vient donc de lancer. Il a bien tenu. Ouais. Hein, il envoie la petite Megan Carter-Davis là au fourneau, là, je peux vous dire, elle est vraiment bien entourée, elle va avoir du boulot. Et juste derrière, effectivement, Teresa Yanosikova. Et notre Américain qui passe. Un petit coucou à la caméra. Hop, et Maya Alm. Alors là, voilà. Maya, est-ce qu'elle a les jambes? On sait que sa préparation n'était pas optimale. Mais bon, malgré ça, elle a fait quand même une médaille hier. Alors, est-ce qu'elle a pu récupérer aussi? Parce que l'enchaînement des courses est difficile, notamment quand on est un peu moins bien préparé. On va voir. D'habitude, c'était vraiment la référence mondiale en sprint. Elle a enchaîné 4 titres de championne du monde. Elle a amené les Danois sur une série aussi de médailles sur ce relais sprint. Donc on va voir si, en tout cas, l'expérience, elle l'a. Est-ce que les jambes, elle les a? On va le savoir assez vite. Alors, reprécise un peu Mathieu. Hein, donc là, dernière relayeuse, hein, qui sont parties. Y a, donc c'est, à nouveau, c'est évidemment pour ces variations. Donc là, elles prennent la dernière possibilité, on va dire, ce qui fait que toutes les équipes auront tout fait, auront réalisé l'ensemble des choix. Et donc, du coup, bah, y a une équité parfaite entre les relayeurs et les relayeuses. Ouais, tout à fait. Les circuits sont... donc il y a des variations entre les circuits hommes avec hommes et dames avec dames. Et donc, comme je disais tout à l'heure, hein, les filles qui ont eu la première relayeuse qui a eu par exemple le poste de gauche, la deuxième relayeuse aura forcément le poste de droite. Voilà. Le match maintenant entre Elena Ross et Andrine Banyaminson. Elle est pas loin, Andrine. Elle est pas loin. Hein. Bien sûr. Elle est pas loin. Alors, on peut dire que les Suisses ont un peu déçu là sur le début du relais. Et ils étaient censés bagarrer devant et finalement, ben, il faut qu'elles regardent dans les rétros parce que c'est derrière que ça se passe là. Effectivement, il va falloir se battre pour cette deuxième place. Derrière, Meghan Markle qui est là, Teresa Yanosikova qui est déjà revenue sur elle.
impressionnant la descente de Teresa dans l'escalier. Là, tu parlais de technique de course sur les escaliers. Voilà, et là, on a une portion d'escalier. Alors, c'est évident que c'est quelque chose qu'il faut que les athlètes travaillent parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre du temps. Donc, on voit aussi que c'est difficile de lire la carte, forcément. Donc là, on voit Maya qui saute les 4x4. Voilà, il y a plusieurs techniques. Il faut trouver la technique qui nous va bien. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose que les athlètes travaillent. Oui. Passage donc de Sarah Ekström, effectivement, qui est en train de passer. Elle est une jeune athlète qui est de 95. 5 médailles d'or en championnat du monde junior, plus 2 en argent. Ça montre quand même que voilà, elle a quand même un beau palmarès. En fait, elle a été super costaud chez les juniors. Elle a vraiment enchaîné les médailles. C'est une des références chez les juniors derrière Simona Abersol qui est la ref ultime avec ses 9 médailles d'or. Sarah Ekström, elle a vraiment tout éclaté aussi sur les championnats juniors à une époque, mais elle a eu un petit peu de mal sur la marche chez les élites, et donc elle a, pour le moment, elle n'a pas encore réussi à complètement atteindre le niveau qu'elle avait chez les juniors chez les élites, mais voilà, cette année on sent qu'elle est très affûtée, elle s'est vraiment bien entraînée et voilà, elle est capable maintenant de jouer avec les toutes meilleures. Allez, Elena Ross qui vient de passer, il y avait 11 secondes d'écart entre Elena Ross et Andrin Benjaminson. Elle a repris 3-4 secondes, pas grand chose. Par contre, derrière, Megan Carter, elle fait plus que tenir la baraque, juste derrière la Norvège. Impressionnant ce qu'est en train de faire Megan Carter. Ouais, tout à fait. On va voir ce que ça donne. Teresa Yanushikova, effectivement, a légèrement perdu le contact. Elle avait réussi à revenir, on l'a vu, dans les escaliers. Mais bon, là c'est des écarts infimes, donc rien n'est joué à ce niveau-là. Pour la Suède, ça semble quand même, ça commence à sentir bon. Maria Alm qui est en train de passer. Maria Alm, elle est pas dans le rythme, elle n'arrive pas à remonter pour l'instant. Compliqué pour elle, c'est pas la grande Maria Alm qu'on a pu connaître ces derniers temps. Dernières années plutôt. On a vu hier que bon, elle allait chercher une médaille quand même, mais elle avait l'air moins. Tu m'as dit hier qu'elle était moins aérienne. Moins aérienne que d'habitude. Alors que d'habitude, elle vole vraiment, c'est impressionnant. Là, elle a moins de marge. Mais bon, on l'a vu sur le poste 5, marquer un petit temps d'attente pour être sûr du choix qu'elle faisait. Et donc voilà, elle est en contrôle. Faut pas se précipiter. On va voir, faut jamais enterrer Maya Alm. Allez, des nouvelles des Français. Donc Lucas qui est passé en 8e position pour l'équipe de France. Il est un peu tout seul puisque il a un peu plus d'une minute de retard sur le Danemark et quasiment 1 minute 40 secondes exactement d'avance sur l'Estonie. Donc Cécile Calandry qui est maintenant un peu toute seule. On va guetter Cécile. En espérant qu'elle puisse maintenir cette 8e place. Voilà, qu'elle soit en capacité de rééditer la belle course qu'elle a fait hier. On va voir, c'est difficile. Hier, elle avait pas de pression. Aujourd'hui, elle court pour l'équipe. Elle est toute jeune. Elle a encore peu eu l'occasion de se mettre dans des situations comme ça, même si elle a fait le championnat d'Europe donc en mai, où elle avait vraiment fait un bon dernier relais sur le relais sprint. Donc voilà, elle a cette expérience-là sur laquelle elle peut s'appuyer. Mais voilà, là c'est un championnat du monde, il y a de la pression, c'est pas impossible qu'elle se mette à gamberger, mais on espère que voilà qu'elle fasse sa course et qu'elle fasse ce qu'elle a montré hier qu'elle savait faire. En tout cas, au premier intermédiaire, Cécile, elle n'a rien perdu, rien gagné, elle est toujours 8e derrière la Finlande et devant l'Estonie, donc pour l'instant toujours cette 8e place qui tient bien. Elle a repris quelques petites secondes sur la Finlande, mais rien de. Oui, alors visiblement, elle est quand même un petit peu décrochée de la Finlande et elle a quand même de la marche sur l'Estonie, donc du coup elle se retrouve seule et elle devrait pouvoir gérer sans être trop stressée par les autres filles autour d'elle. Donc voilà, c'est ça semble quand même bien parti pour cette 8e place vu les écarts devant et derrière. Les temps sur les relais 2 et 3, on avait donc Emil Zwengs qui a mis 15-36, c'est le meilleur temps sur les relais 2, Gustav Mermann 15-46, et puis derrière les deux Suisses 15-58 pour Joey Adorn et 16-10 pour Hubmann, le même temps que Lucas pour Martin Hubmann. Voilà pour vous donner un petit peu les temps de ces deuxième et troisième relais. Ouais, alors c'est un peu plus long que ce que le traceur prévoyait, il pensait courir plutôt autour de 15, non en fait non pas tout à fait parce qu'on sait que la somme des,
de tous les relais doit faire 61 minutes, c'est très précis. Et donc, en fait, en sprint, les traceurs généralement arrivent quand même à des prévisions de temps de course assez proches de ce que font les coureurs. Donc voilà, là, je vous ai dit une petite bêtise. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres pendant ces 4 jours. C'est les jours qui nous restent. Alors, on vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux avec le hashtag CO8MB. N'hésitez pas à nous dire 2-3 petites choses. On est désolé s'il y a eu des petits soucis de connexion au début. On vous rappelle les deux liens. C'est le lien sur le player de la page d'accueil du site 8 Mont Blanc. Et puis, on a relancé aussi le lien sur la page Facebook FFCO. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à trouver. On s'excuse, mais voilà, il n'y a pas de. Je crois que vous êtes nombreux, et donc d'où aussi cette forte connexion. Donc c'est tant mieux, c'est super. On est vraiment heureux de pouvoir vous parler, vous raconter cette histoire. La Suède et Sarah Hagström qui est en train d'accentuer. Sauf que le match derrière, voilà. Il est pour la deuxième place. Elena Ross, Andrin Benjaminsson, Suisse, Norvège, à 3 secondes, elles sont ensemble. Oh là 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 là, effectivement, comme tu disais, la Suisse qui jouait pour la gagne et qui va défiler de se battre pour la deuxième place. Alors Elena Ross, elle est costaud, elle s'est retrouvée plusieurs fois dans cette situation, notamment au championnat d'Europe où elle est revenue en tête. Mais voilà, Benjaminsson aussi, elle s'est bien entraînée en sprint, elle a fait l'effort d'aller au Danemark cette année pour vivre, et parce qu'ils ont un centre de sprint vraiment performant là-bas, donc bon, c'est pas une surprise qu'elle soit performante. Alors que là, on voit sur l'image drone qu'elles viennent de se croiser là pour le poste 10 sur le stade, effectivement, au niveau du stade. Donc ça, c'est des images qui sont sympas, même si d'ici, on a du mal à voir évidemment de qui il s'agit. Sauf que entre temps, Maya Alm, la Danoise, qui petit à petit, elle grappille puisqu'elle est à une vingtaine de secondes derrière le podium finalement. Et si elle nous le faisait ? Elle revenait ? Oui, faut pas enterrer Maya Alm, vous voyez, elle prenait le temps de faire les choix, et quand on fait les bons choix, on peut revenir sur les autres qui se précipitent en faisant des choix moins bons. Donc là, oui, Maya Alm, elle a gagné des places et elle peut espérer aller jouer devant maintenant. Et donc, alors qu'on a Sarah Hagström qui passe à l'arena. Le passage spectacle, elle est concentrée, vous la voyez, elle lit beaucoup la carte. Ça lui permet de rester vraiment concentré et de ne pas se laisser perturber, notamment par les spectateurs qui doivent crier fort là, à ce niveau-là. Suisse et Norvège ensemble, deuxième et troisième, elles sont au coude à coude. On va voir si Maya Alm, qui a déjà repris une dizaine de secondes sur cette première boucle, a repris encore un petit peu de temps avant le passage sur l'aréna et le poste spectacle. On va être très très vite fixé, puisqu'elle va, elle ne devrait pas tarder à débarquer et sortir du bois juste derrière. Ouais, Maya, elle est quand même un petit peu loin là, mais bien sûr, elle peut revenir, mais principalement si devant, ça fait des fautes. Et ce ne sera pas impossible, parce que là, Elena Ross, maintenant, elle sent le souffle d'Andrin Benjaminsson dans son cou, et évidemment, ça doit lui mettre une grosse grosse pression. Donc il va falloir qu'elle soit costaud mentalement là, pour arriver quand même à rester concentrée, à faire les bons choix. Et derrière, voilà, Maya Alm, elle est pas si loin. Elle a perdu un peu de temps. Ouais, elle peut encore espérer rattraper les deux, mais il faudra que devant ça fasse des fautes. Devant, il faut que ça fasse des fautes. Après, maintenant que les deux Suisses et Norvégiennes sont ensemble, ça peut aussi créer un peu de pression. Alors que là, Megan Carter. On a aussi un match pour la cinquième place. Megan Carter-Davis et Teresa Yanishikova qui passent elles aussi dans un mouchoir de poche. Donc rebelote, on a le même schéma là où les deux filles vont être au contact. Et elles n'ont pas forcément les mêmes variations, donc il faut à devant, il faut qu'elles restent costaud mentalement. Derrière, faut pas qu'elles se laissent attirer sur la variation de Megan, Teresa. Mais bon, là, ça doit cogiter. Hein. Alors on est encore un petit peu loin de l'arrivée, mais forcément elles doivent y penser. Si on est ensemble, comment je vais faire pour rester devant ou pour passer devant. Ouais, effectivement, dès la sortie de ce passage du spectacle, il y a un choix en plus. Hein, il y a un vrai choix d'itinéraire. On voit Andrin Benjaminsson qui est descendu et qui, apparemment, par rapport au GPS, elle revient vraiment sur Elena Ross. On voit, elles se sont séparées. Ouais. Donc, vous voyez le trait rouge et le trait marron. Là, donc, on comprend bien la différence des choix d'itinéraire. Exactement, hein. La différence et l'importance de ces variations et de ces choix. On va voir ce que ça donne. Elles vont se regrouper à la 16. En tout cas, elles ont le poste 16 qui est un poste commun. Et on verra si Andrine a réussi à passer devant ou pas.
Alors que devant, ben, Sarah caracole en tête. Sarah Ekström qui est en train de s'envoler effectivement à deux balises de l'arrivée. Elle est en train de s'envoler pour donner, pour garder finalement plutôt, pour que la Suède garde son titre mondial et titre que la Suède n'a pas eu au dernier championnat d'Europe, juste derrière la Suisse justement. Je pense que ça tenait à cœur aux Suédois. En ce moment, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Hein, et donc voilà, au championnat d'Europe, on a eu une course très très physique et les Suisses à ce petit jeu-là sont vraiment costauds. Donc ouais, ils avaient remporté une victoire assez nette. Mais là, voilà, les Suédois, ils ont fait la course parfaite. Depuis le début, la tactique mise en place par le coach là, a vraiment fonctionné. Ils ont mis leur meilleur sur le début de course. Ils ont fait le trou et derrière, ben, ça a géré. Ils ont pu courir dans un fauteuil ou presque. Même si évidemment c'est jamais facile, hein, c'est un championnat du monde, il y a beaucoup de pression. Mais voilà, ils ont pu garder l'écart. Derrière, les Suisses ont forcé pour revenir, ils ont fait des fautes. Et c'est jamais revenu, au point même que bah, c'est derrière, c'est la Norvège maintenant qui va jouer pour la médaille. Et oui, pour l'instant, Benjaminsen effectivement qui est repassé devant. Pour le podium, ça semble être presque joué. Alors on va pas enterrer parce que là il y a un tout petit choix, enfin en tout cas une petite variation. Ça va être chaud. Hein. Là ça va être chaud, regardez, on voit, hein, elle a 10-20 mètres de retard. Elles sont à vue, mais là il va falloir cravacher parce qu'il ne reste plus beaucoup de postes. Visiblement, elles avaient la même variation. Donc en plus, il n'y a pas possibilité donc, de créer un écart sur la variation. Donc maintenant là, on va aborder pédale, vraiment le money time. L'arrivée dans le parc. Alors là, dans le parc, Les postes sont vraiment faciles, et même si on a la visibilité légèrement réduite avec le feuillage des arbres, là il y a les coureurs, ça ils savent faire, hein, il faut prendre le cap à la boussole. Il n'y a plus de difficulté, alors faudrait vraiment, voilà, Sarah, elle le sait, elle a gagné, elle a fait une bonne course, voilà, les coéquipiers sont là pour attendre l'arrivée, ça c'est le meilleur des sentiments là, pour le dernier relayeur, il sait qu'il a fait le job, il est parti devant, voilà, il a fait le boulot jusqu'au bout. Tove Alexandersson, Emil Svens, Gustav Bergman et Sarah Ekström, champion du monde. Grosse performance là, la vraiment. Suède, championne du monde de relais sprint. Alors qu'on va avoir le temps même de les voir se congratuler avant de rebasculer sur le dernier poste. Et là, voilà, là c'est la bagarre. Ouh là là, là c'est la grosse bagarre. Et Andrine Benjaminsen est devant, qui est en train de prendre de l'avance. Ça va être compliqué pour Elena là. Elle est trop loin. Elle est trop loin pour le. Ouais, voilà, vous voyez. Elle a essayé un mini road choice pour pointer la balise, mais là c'est pas possible de reprendre Andrine. Et la Norvège deuxième. 5 mètres d'avance. Voilà, grosse course des Norvégiens là. Vraiment les Suisses vont être déçus parce qu'ils jouaient la gagne et ils ont pas réussi à mettre en place complètement ce qu'ils voulaient faire. Ils ont pas couru vraiment complètement tous à leur niveau en essayant de forcer un peu pour revenir sur la Suède. Et ils ont fait des fautes, alors que voilà, Maya, elle, va arriver en quatrième position. Effectivement, Maya, donc pour le Danemark, qui va venir prendre la quatrième place. On va revenir après hein, sur cette course entre Norvège et Suisse. Alors mais on a un autre sprint là, donc entre Megan Carter-Davis. Alors là, attention, Teresa Yanishikova, elle, elle a un finish de feu. Donc je sais pas si Megan. J'ai jamais vu Megan dans un sprint, donc je me rends pas trop compte, mais à mon avis, Teresa risque de. Quand même de faire la différence, voilà, elle est déjà passée devant, avant même le dernier poste. Ouais, là, ça va être difficile pour Megan, mais bon, ce sera un top 6 pour les Anglais. Alors évidemment, ils espèrent à chaque fois quand même accrocher un jour une médaille, mais là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis bon, les Tchèques aussi, hein, jamais de médaillés sur ce format de course, à domicile, un peu comme hier, ils auraient probablement aimé aller chercher une médaille. Mais voilà, bon, c'est vraiment très très dense sur les places devant. Et voilà, on voit, elle est contente, c'est déjà une belle place, la place de cinquième. La République tchèque cinquième, la Grande-Bretagne sixième, et donc du coup, on va attendre de voir l'équipe de France derrière qui va débarquer, ça sera la septième place pour la Finlande, et puis Cécile Calendry pour le moment qui est toujours huitième. Donc voilà, on va dire le premier objectif rempli, puisque Charlie Boischu, l'entraîneur, nous avait dit top 8, ça serait bien, top 6, ça serait extraordinaire. Ouais, alors on va attendre jusqu'au bout. On va voir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est donc maintenant la Finlande qui va prendre la septième place. Ouais. Alors, juste pour un petit rappel, quand même, les Tchèques avaient fait 5 au dernier championnat du monde et 4 au dernier championnat d'Europe. Donc, ils sont toujours sur ces places de 4-5 et ils n'arrivent pas à aller chercher une médaille. Donc, bon, ça doit être un peu frustrant pour eux, mais c'est sûr qu'à un moment, ça va finir par payer.
Qu'est-ce qui manque du coup, Mathieu? Comment ça peut, sur quoi il faut travailler? Enfin, c'est compliqué parce que t'es comme ça à quelques secondes, mais voilà, c'est une bonne remarque ce que tu fais là, c'est-à-dire que la République tchèque est toujours est très 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 constant. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ils ont un groupe homogène, hein, ils travaillent dur, voilà, mais c'est devant, ça va vite aussi. Et bon, je peux pas comme ça en quelques mots juste. Expliquer ce qui leur manque, ce qui voilà, comment d'un coup de baguette magique ils arriveront à aller chercher la médaille. Non, c'est du travail, de l'expérience. Les coureurs sont jeunes, hein. Teresa, elle a 22 ans, donc voilà, elle a encore une grosse carrière devant elle si elle continue à haut niveau. Donc c'est d'expérience engrangée, et puis petit à petit et puis voilà, faut que ça fasse aussi le jour J. Donc là, on voit les Suisses qui ça débriefe, hein. Ouais, ça débriefe à chaud là. Bon, il y a et les visages un petit peu fermés quand même, parce qu'ils ont l'habitude de jouer la gagne. Et on devrait voir Cécile Calandry maintenant qui arrive. Eh ben voilà, là voilà Cécile Calandry, notre junior, notre française. 13e hier, je vous le rappelle, deuxième meilleure performance pour les Françaises en sprint. Et donc Cécile Calandry qui va venir rentrer dans ce top 8 sur ces championnats du monde. Et finalement... Voilà, maintenir cette. On est dans ce petit noyau là, entre la 4e et la 8e place. On était 6e au championnat d'Europe, on est 8e aujourd'hui. Non, voilà, c'est vraiment très très bien. Ça se joue à pas grand chose. Très bien, Charlie l'avait bien dit, hein, top 6 ce serait vraiment exceptionnel quand on voit la densité des équipes devant. Donc il avait dit faire 8 ce serait top. Et c'est bien si on fait dans les 10, bah voilà, là on fait 8, donc c'est top. C'est vraiment. Faut rappeler quand même les places de l'équipe de France ces dernières années. Donc on avait fait 14e en 2018, 13e en 2017. Donc voilà, on n'était pas forcément à la place à laquelle on voulait être. Et puis là on revient clairement dans le top 10 sur une position qui montre que la France peut jouer quand même avec les nations de devant. Quelques écarts, hein, finalement, quand même. Alors, pour la deuxième et troisième place, c'est une petite trentaine de secondes. Mais derrière, on est vite au-delà de la minute. Donc, avec ce groupe Danemark, République tchèque, Grande-Bretagne, Finlande, voilà, ça montre aussi que ces fameuses combinaisons ont éclaté un petit peu les groupes. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Là, on va revoir l'intégralité des quatre courses, ce qui va permettre un petit peu de se rendre compte, justement, des... Alors, c'est un peu rapide, mais n'empêche... Oui, ça permet d'avoir donc d'avoir le visuel sur l'ensemble du parcours et de se rendre compte que les variations dont on a beaucoup parlé permettent comme ça de séparer les groupes et aux coureurs de faire leur propre CO à un moment sans avoir à simplement suivre le coureur de devant. Là, on voit effectivement, c'était sur le premier relais avec... Tove Alexandersson qui avait pris le large par rapport à Simona Abersold. Derrière, le groupe était costaud. Ah, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. D'habitude, sur un départ en masse, ouais. Les athlètes sont empaqués, se voient à vue, et arriver comme ça à prendre le large dès le début du parcours, juste sur le tempo de course. C'est vraiment hyper costaud. Alors on l'a vu, hein, hier qu'elle avait vraiment de la marge. Ouais, et en plus elle se permet des petites fautes comme elle a fait hier, parce que là on a vu en approche donc de la combinaison 17-18, on a vu qu'elle était passée du mauvais côté du bâtiment et sans doute sans se rendre compte tout de suite qu'il y avait une barrière infranchissable. Et ben c'est pas grave, elle fait demi-tour, elle repart, et avec le gaz qu'elle a en ce moment, elle creuse quand même l'écart. Et sur ce premier relais, hein, que dire de Isia Basset quand même, hein, il faut le rappeler aussi. Ah, hein. Super course. Isia qui fait quand même quatrième. Super course d'Isia, ouais. Avec l'Estonienne Rima Anika. Isia Basset, elle a fait plus que le job, hein, sur ce premier relais. Quatrième, voilà, je pense qu'elle doit être vraiment, vraiment satisfaite de sa course. Ah, c'est super solide. Après, je pense que toute la performance d'équipe globale des Français est bonne. On a Max qui a fait une petite faute. Voilà, c'est la petite faute de trop qu'on ne peut pas se permettre à ce niveau-là en championnat du monde. Ça nous a détaché un peu du groupe avec lequel on voulait bagarrer. Mais voilà, Lucas derrière l'équipe a joué et puis Cécile a maintenu cette place. Voilà, et au final, bon, une position de 8. Alors, c'est sûr, pour aller jouer plus devant, c'est compliqué, hein. Il y a des écarts qui se font, et on voit que là, Cécile est quand même
Elle aurait eu du mal à revenir sur la Finlandaise, donc qui était quand même bien devant. Mais voilà, en tout cas, c'est la place à laquelle on aspire en ce moment, et c'est bien d'être allé la chercher. Après l'analyse GPS, hein, on va avoir les interviews des gagnants, donc des Suédois, qu'on va pouvoir vous traduire. Hein. Mathieu va pouvoir noter tout ce que les Suédois nous disent pour pouvoir vous faire un petit débrief et l'analyse de course des Suédois et Suédoises. Là, nous avons actuellement donc à l'image le retour sur la course de Sarah Ekström, donc des dernières relayeuses, hein, des quatrièmes relayeurs. Ouais, et puis c'est là où on voit que les Suisses en général n'ont pas fait une très très bonne performance globale, parce que une performance globale moyenne, parce que tous ont fait des fautes à un moment et qui leur ont pas permis de revenir sur la Suède, qui elle a fait sa course gentiment devant, en prenant la plupart du temps les bons itinéraires, et voilà, ça leur permettait de rester devant. Je pense que derrière, les Suisses ont eu la pression, se sont un peu précipités pour essayer de revenir, et c'est là où on fait des erreurs, et du coup, c'est difficile de revenir en faisant des erreurs. Grosse performance d'Andrine Benjaminsen, puisque elle a mis 14,56, c'est le meilleur temps, hein, de toutes les orienteuses. Pour information, Tove Alexandersson, 15,03, pour dire à quel point Andrine Benjaminsen, elle y est pour quelque chose pour cette deuxième place. Ah ouais, c'est énorme. Casper Fosser également, en fait. Ouais, les Norvégiens avaient une tactique inverse par rapport aux Suédois. C'est-à-dire qu'ils avaient mis leurs deux meilleurs à la fin. Je te coupe, Mathieu, puisque ça va être l'interview. Minutes gap at the finish. Tove, you ran the first leg. Was it a part of tactic to get a as big gap as possible for your teammates? I think it was good to have Sara on the last leg. She's really strong in the finish, but now she had plenty of time, so it was not a problem. But I think it's good. We are really strong and good at orienteering by ourselves, so it's. I think everyone wants to run along, so it was a good tactic. Emil, on your second leg, at the beginning, Joey Hadorn for Switzerland closed a gap to you a bit at the beginning. Did you start your leg safe and then speed up, or did you make any mistakes? That's true. I start quite safe and push hard in the end. So yeah, that was a tactic. Gustav, your leg, it was professor-like performance for me. Is that true? Almost. I started quite fast, and then I got a bit tired in the middle. I think I didn't race yesterday, so I had fresh legs and could push hard in the end as well. So it was good all the way. Did you see any other competitors, or you were all by yourself all the way? All by myself. Didn't see anyone. So. And Sarah, your first World Championship medal, and now it's gold. How does it feel? Yeah, it's fantastic. I'm so honored to be running in this team. It's really nice. For people in the arena, they must thought it was an easy job for you, but I don't think so. You had you must have done a lot of work on your leg. I was really nervous before, because I know it's really tough to go out in the lead. You can make a small mistake and then get really stressed. But I'm really happy that I managed to keep my orienteering. And it was fantastic to run in here with the Czech public and such good organization and everything. I believe it must have been a fantastic feeling. Congratulations one more time. Enjoy your day. Thank you very much. La petite interview, allez Mathieu, à toi de nous donner, on va avoir bientôt la cérémonie des fleurs, mais en tout cas Mathieu, à toi de nous donner un petit peu le retour en même temps qu'on va avoir les meilleurs moments qui vont nous être donnés avec le classement final. Mathieu, vas-y, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Tove, donc l'intervieweur a demandé si c'était une tactique de la part des Suédois de mettre Tove en 1 et pas en dernier relais, donc ça on en avait parlé pendant la course. Donc elle pense effectivement que c'était une bonne tactique, notamment parce que Sarah est très forte sur le finish, même si là elle a dit c'était bien, elle a pas eu besoin de sprinter, de montrer sa vitesse dans le couloir d'arrivée. Émile
en deuxième position, a été repris au début un peu par Martin Hümmann, le Suisse. Donc en fait, c'était aussi une tactique de sa part. Il voulait partir plutôt sur la défensive, un peu tranquille pour pouvoir bien pousser sur la fin. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là il était content aussi de sa tactique. Et c'est un peu l'inverse de Gustav. Gustav, il est parti très très fort pour être sûr que derrière la Suisse ne revienne pas. Il a fatigué un petit peu en milieu de course, mais comme il n'a pas couru hier, ben, il avait encore des bonnes jambes pour la fin de course. Et puis Sarah elle est vraiment contente d'elle, parce qu'elle était très très nerveuse de partir en tête, mais voilà, elle a su rester focus sur sa course, et ça, elle en était extrêmement contente. On la sentait effectivement très très heureuse, hein. L'intervieweur précisait une première médaille au championnat du monde pour Sarah Ekström, et une médaille d'or, donc voilà, j'imagine, on a senti qu'elle était plus qu'heureuse. Dans cette, ouais, c'est aussi du soulagement, hein, forcément, parce que partir en tête et si ça se passe pas bien, c'est terrible, hein, mentalement. On sait qu'on a l'impression d'avoir lâché l'équipe, lâché ses copains, et donc là, je pense qu'elle est à la fois super contente de la médaille et puis super soulagée. C'est un peu un cadeau empoisonné, comme je disais, de partir avec autant d'avance. Il faut, alors c'est sûr, c'est toujours mieux de partir avec l'avance, hein, mais voilà, en tout cas, si ça se passe bien, c'est super. Mais si elle fait une faute, là après, c'est terrible mentalement de s'en remettre en cours de route. Et donc là, elle était très contente d'avoir réussi à rester focus et d'éviter les erreurs. Donc là, on voit l'arrivée donc des Suédois. Andrine, hein, qui a fait une super course. Voilà, elle est capable d'aller chercher la Suisse. Là, franchement, on s'attendait pas forcément. Alors, on s'attendait à ce que les Norvégiens puissent aller jouer la médaille, mais aller jouer la médaille d'argent face aux Suisses, là, quand même, c'était difficile à envisager, parce que vraiment, les Suisses d'habitude sont extrêmement rapides sur ce genre de format de course. Ouais, pour les Suisses, bah, c'est quand même une médaille, hein. C'est une médaille de bronze pour les championnats du monde, mais. On peut dire qu'ils commencent pas les championnats du monde de la meilleure des manières. Hier finalement, voilà, il n'y a pas eu les résultats attendus, notamment chez les hommes. Voilà, ça veut dire que ni chez les filles, mais ça, voilà. Oui, c'est pas un désastre complet. C'est non plus. C'est pas un désastre, mais c'est une médaille mondiale. C'est toujours bon à prendre. C'est sûr qu'à chaud, ils doivent être déçus, parce qu'ils avaient d'autres ambitions. Mais voilà, je pense qu'à froid, c'est encore une nouvelle médaille. Ils se remettent un petit peu aussi de la déception d'hier, où effectivement là, par contre, c'était. Alors attention, il y en avait 4 dans le top 10 chez les mecs hier. Voilà, il y a quand même des sacrés coureurs. Il y a de la densité, mais c'est vrai que 0 médaille en championnat du monde en sprint pour les Suisses, c'était encore jamais arrivé. Donc forcément, il y avait de la déception. Voilà, c'est sûr que je pense que ils ont hâte de pouvoir en découdre en forêt, de pouvoir essayer de remédier à tout ça. Enfin, en tout cas, voilà, on a vécu une belle course. Enfin, j'espère qu'on a pu vous faire vivre cette course. J'espère qu'on a pu expliquer, notamment aux gens qui connaissent peut-être un petit peu moins la course d'orientation, ce principe du relais. On retrouvera ce principe jeudi, hein, du relais, le relais en forêt avec les hommes et les dames. Donc, ce ne sera pas un relais mix, hein, mais ce fameux principe du relais avec ces variations qui permettent de partager, de départager les équipes pour ensuite avoir des balises communes et finalement rester au contact, puisque c'est une course de contact. Et les premiers arrivés, ben, l'emportent. Ouais, c'est un système qui est bien, mais qui est compliqué quand même à expliquer, et en direct c'est difficile de tout suivre, donc j'imagine que vous devant votre télé c'était pas forcément évident, mais voilà, en tout cas l'avantage c'est que sur un départ en masse, le premier qui passe la ligne a gagné, ça au moins c'est simple. C'est le plus simple à comprendre. Nous avons donc actuellement bien sûr la remise des fleurs et des récompenses avec donc cette équipe suisse qui monte sur la troisième place, l'équipe suisse composée de Simona Bersold, Joey Adorn, Martin Hugmann et Lena Ross. L'équipe norvégienne donc qui prend la deuxième place avec Victoria Hedstadt, Odun Hemdal, Kasper Fosser, Andrin Benjaminsson, et puis l'équipe suédoise composée de Tove Alexandersson, Emil Svenks, Gustav Bergman et Sarah Ekström. Ouais, donc sincèrement, c'était les trois équipes qu'on attendait, et c'est pas forcément l'ordre par contre dans lequel on les attendait, mais là on voit quand même que sur des relais comme ça, c'est voilà, les trois nations fortes sont devant, pas toujours dans le même ordre, mais en tout cas c'est vraiment très très dur d'aller les chercher, et c'est des nations qui ont une grosse densité de coureurs.
coureurs, ils peuvent changer d'un coureur à l'autre. S'il y en a un qui est en méforme, ben, il y en a un derrière qui est quasiment aussi fort. Voilà, nous, c'est un peu moins le cas avec l'équipe de France. On sait qu'on a une capacité à aller chercher des résultats avec une densité de coureurs moins grande. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. On l'a fait notamment sur les relais forêts ces dernières années avec des résultats exceptionnels où l'équipe allait à chaque fois chercher une médaille. Donc on croise les doigts encore pour cette année, mais ce sont des résultats vraiment incroyables au vu du réservoir de coureurs qu'on a sur le haut niveau français. Eh bien, c'est encourageant. Et puis, dans quelques instants, restez avec nous puisque on va pouvoir avoir les interviews. On vous avait promis des interviews. On va pouvoir avoir, et il me semble que c'est Isia Basset et Lucas Basset qui sont avec nous. Donc, restez avec nous. Dès qu'ils sont en ligne, on nous fait signe. Et puis, ça va permettre de poser quelques questions avec Quentin Roturier qui va faire l'intervieweur. Allez, on est en ligne. Quentin, est-ce que tu nous entends? Ouais, donc je suis avec Lucas et Isia. Vous finissez donc 8e de ce sprint relais. Petite réaction à chaud sur le résultat. Ouais, bah, je pense qu'on peut être bien satisfait du résultat. C'est sûr que au championnat d'Europe, on avait fini 6e. On avait un petit peu envie d'essayer de remonter sur ce petit podium. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment à revenir de nos places aujourd'hui. On est assez bien placé. C'est sûr que. Voilà, je pense qu'on est trois plutôt satisfaits de notre course. Il y a un relais peut-être où Maxime il a quelques regrets, mais bon, sinon dans l'ensemble, voilà, je pense qu'on est quand même super satisfaits du résultat. Les écarts devant et derrière, je pense qu'on peut difficilement espérer mieux aujourd'hui. Donc ouais, c'est une belle satisfaction sur une super belle course ici que les Tchèques nous ont proposé. C'était vraiment cool, vraiment un super challenge. Ok, super. Isia, tu rentres à une minute de la Suédoise Tove Alexandersson. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit débrief de ta course rapide? Ouais, bah, c'est sûr que Tove, elle a un niveau, je pense, bien supérieur à toutes les filles, n'importe quelle nation, quoi. Donc, ça, c'est dur de lutter. Mais bon, si elle est partie devant, on l'a très vite vu. Et moi, je suis vraiment super satisfaite de ma course. Voilà, je pense quatrième, je crois. Pas très très loin, juste derrière la troisième et pas très très loin de la deuxième place. Je pense que c'est un des meilleurs premiers relais que j'ai jamais fait sur ce format, donc je suis vraiment satisfaite. C'était un peu la bagarre sur les deux premiers postes dans le parc, là ça a joué un peu des coudes, donc je me suis fait un petit peu balader sur les deux premiers postes et ensuite j'ai bien réussi à me replacer pour pouvoir bien dérouler comme je voulais et je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui. Merci. Lucas, tu pars un petit peu seul au monde, mais tu parviens à limiter la casse. Tu perds seulement un peu moins de 30 secondes sur la tête. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, écoute, je pense que ouais, 30 secondes, c'est moins que ce que je prends d'habitude, ce que j'ai pris sur les relais précédents. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que je suis parti. J'avais deux gars, un Ukrainien et un Estonien. Un peu de vent que j'ai assez vite rattrapé et je me suis dit bon, on va essayer de rendre la vie facile à Cécile sur le dernier relais et essayer de leur mettre un peu une petite valise, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Techniquement, bon, faudra analyser si tout était bien, mais je pense que c'était une belle perte. Donc ouais, on commençait tous les deux notre championnat sur cette course-là et je pense que c'est bien réussi, on va essayer de faire encore mieux sur la suite. Ouais, bon, super course aujourd'hui tous les deux, bon courage pour la suite et merci beaucoup. Merci beaucoup Quentin. Ah super, merci d'avoir joué le jeu et merci surtout à Isia et Lucas Basset de nous avoir donné un petit peu de leur temps suite à cette course. Bon voilà, on va pouvoir le redire, voilà, c'est la performance attendue, je pense que ça va vraiment faire plaisir. Demain sur les réseaux sociaux vous pourrez avoir les interviews de Cécile Calandry et certainement de Maxime Roturier également pour avoir un petit retour sur ces deux premiers jours de course. En tout cas, Mathieu, voilà, on est content. On est content sur cette deuxième journée. On a vécu une belle course. Ouais, on est content. On est content. La course a été super. Les Français étaient au niveau où on les espérait. Alors, on aurait pu rêver carrément d'un petit peu mieux. Le top 6 comme ils l'ont dit à l'interview, hein, c'était l'objectif parce qu'ils avaient fait 6e sur les championnats d'Europe et évidemment ça aurait été énorme de les retrouver 6e
à nouveau sur les championnats du monde, mais voilà, il y a un niveau qui est dingue. Et voilà, ils sont. Ça aurait été une déception de les voir au-delà de la 10e place, et ils sont 8e, donc on peut pas. Voilà, on peut être que satisfait de ça, de ce qu'ils ont montré aussi hier sur le sprint, un niveau, une densité chez les filles qui était vraiment intéressante. Voilà, maintenant, on va espérer la performance de pointe. Hein, le coach français a visé une médaille sur ces championnats. Donc maintenant, il va falloir aller la chercher en forêt. Ça tombe bien, c'est notre force, hein, c'est la force des Français. C'est là où on va chercher la plupart des médailles. Il reste trois courses, effectivement. Ouais. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est prometteur, ce qu'on vient de voir là sur ces deux premiers jours. Voilà, donc à commencer par mardi à partir de 16h10. Alors, on vous redit les liens. Prenez bien le lien qui est sur la page d'accueil de 8 Mont Blanc. On vous remettra le lien sur notre Facebook également. Ça permettra à tous de pouvoir suivre le mieux possible. Cible ce direct. À partir de 16h10, c'est la moyenne distance. Ça y est, on rentre en forêt. Comme tu le dis, c'est la force de l'équipe de France. Ah, ils vont nous faire rêver, ces Français, mardi, c'est sûr. Ouais, alors dès mardi, c'est la moyenne distance. C'est sur probablement le terrain que les Français maîtrisent le mieux. C'est des terrains qui ressemblent à ce qu'on peut avoir en France dans certains coins, comme du côté de Saint-Etienne, par exemple, où le Pôle France s'entraîne régulièrement. Donc là, oui, on a déjà, dès mardi, une chance de médaille, notamment avec Lucas, qui a bien couru aujourd'hui. Il a montré qu'il avait des bonnes jambes. Et là, sur la moyenne distance, ouais, c'est une vraie chance de médaille. Lucas, il est bon sur un peu tous les terrains, mais là, c'est un terrain qu'il maîtrise bien, et voilà, on est impatient de voir. On a Isia, donc sa sœur, qui a fait médaille de bronze il y a quelques années, donc en 2018, et on attend qu'elle nous montre qu'elle est capable de réitérer cette performance. Et voilà, et donc dès mardi, ça va vraiment être intéressant à suivre. Eh bien, on a hâte. Merci Mathieu pour ce suivi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je crois que vous avez été nombreux. Et en tout cas, on espère qu'on a pu vous faire vivre ces débuts des championnats du monde, ces deux premiers jours. Lundi, repos. Voilà, on en a besoin. On va pouvoir continuer. Bah, les athlètes, surtout. Les athlètes en ont besoin. Et puis, on se donne rendez-vous mardi à partir de 16h10. En attendant, restez devant votre écran. Une petite promotion pour l'activité de la course d'orientation cet été en famille dans nos espaces loisirs orientation. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site parcoursorientation.fr. Et puis, les deux également, deux vidéos qui vous attendent pour les compétitions de cet été, à savoir 5 jours les Hauts-France qui ont lieu dans quelques jours, et puis les championnats de France qui auront lieu sur la station de La Plagne. Merci à tous, et on vous dit à mardi 16h10. Ciao. Merci, à mardi.